Bon, moi bah, je suis prêt. J'ai tous les objets à portée de main. Cool. À peu près. Bah, J'ai une petite question à te poser, mon cher Dis Ça te fait quoi de rentrer dans le cercle très fermé des personnes qui vont faire des vidéos collections Ça record là Ah, mais depuis 10 minutes déjà <laughs> euh, Ça me fait quoi Ça fait quoi euh, Je les ai pas toutes vues en plus, les vidéos collections. J'en ai vu quelques-unes à l'époque, mais c'est problème c'est que les vidéos, elles, comme elles sont... quand elles sont trop longues en général, je, je regarde un, 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 le début puis ah, je regarderai la fin après. Puis il y en a d'autres qui arrivent et du coup je regarde que des morceaux de vidéos. Donc ça me fait quoi Ça me fait quoi Bah ça me fait que si j'avais voulu la faire à l'époque, j'aurais pu pas montrer grand-chose en fait, parce que ma collection s'est agrandie très vite récemment. Mais de toute euh... façon, c'est toujours comme ça. Moi, tu sais, moi j'avais fait une, vi une vidéo collection de ma collection, arrivé à la dixième vidéo collection. Et euh, le truc, c'est que et encore moi j'en avais pas beaucoup. Donc en fait, tout ce que je pouvais montrer, euh, de toute façon, c'était tout nouveau. Euh, et puis j'avais pris mon temps, j'avais fait ça en live. Euh, mais ce qu'il y a, c'est que maintenant, tu vois, je suis en train d'acheter des choses de plus en plus régulièrement. Faudra mettre une mise à jour, bah oui, c'est ça. Et oui, mais sauf que, en fait, je suis en train de devenir comme tous ceux à qui je demande de faire des vidéos collections, c'est-à-dire qu'ils me, me disent à chaque fois, ouais, mais attends, je vais recevoir un truc et tout ça, du coup, on le fait jamais. Mais moi, limite, je suis un peu pareil. En, en ce moment, je me dis, ouais, il faut que je fasse une mise à jour, mais il euh, y a des trucs qui vont arriver et tout, donc bon, il va falloir que je me fixe une deadline à un moment donné. Euh... Ouais, comme au boulot. Ouais, mais donc, là, c'est la vidéo, votre collection 13. J'espère que tu pas superstitieux. Ah, J'allais te demander à quel numéro on en était. Le 13, c'est pas un chiffre qui porte malheur, c'est un chiffre de superstitieux. Donc ça dépend de tes superstitions. Bah, ça porte si malheur si jamais tu crois que ça va te porter malheur, en fait, simplement. Ou ça te porte bonheur si tu. Enfin voilà, après. Oui, exact... Moi, je n'y crois pas plus que ça. Donc bah, on verra. On verra si elle, te fait... si elle te porte bonheur au niveau des vues. Moi, elle peut pas me porter malheur ni bonheur particulièrement. Ouais, après, euh, je vais te dire euh, les vues, c'est pas parce que j'en ai beaucoup que je vais me porter plus. Enfin, euh, ça fait toujours plaisir, quoi. C'est normal. Bah, ça fait bon, plaisir de s'intéresser si bah, oui. euh, aux collections des autres. Carrément. Euh, pas pour les vues et faire du chiffre, mais plus pour mmh. voir. Euh, ok, bah le contenu intéresse. Ouais. Euh, mais de manière générale, c'était pas. Je sais. En, 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 tout cas, en tout cas, tu vas faire des, des heureux et des heureuses hein, déjà avec la. la vidéo je vais pas parler ça. que de Star Wars. Enfin, je vais pas montrer que du Star Wars. C'est mmh. pas des. Co... Alors moi quand j'appelle quand je dis collection c'est pas des objets de collection attention enfin, un album CD un CD ou un, un, jeu, un jeu PlayStation c'est pas une collection pour moi c'est pas un objet de collection de valeur donc moi quand je dis ma collection c'est mes objets de loisirs de de plaisir quoi mais, mais je vais te dire un truc, c'est exactement ça qui est recherché dans mes vidéos collections. C'est-à-dire que moi, ce que je veux voir, c'est en fait l'histoire que tu as avec euh, ces objets-là, ce qui, ce qui, ce qui t'entoure toi, ce qui te définit toi, et non pas... Euh, moi, ça m'intéresse pas, en fait, de voir euh, ce que tout le monde va avoir ou, ou quelque chose que la personne a eu et qui a aucune histoire et elle a juste acheté euh, comme ça. Bon, même ça arrive, on achète des fois des trucs un peu juste comme ça, ça peut arriver. Mais il y a toujours une histoire derrière, il y a toujours quelque chose. Donc. Euh... Bah, tu veux commencer par quelle partie de l'histoire mais c'est ton est -ce histoire. Est-ce que tu veux être chronologique Est-ce que tu veux être <laughs> thématique Ou est-ce que tu veux être bordélique C'est ton histoire, c'est ton récit, c'est toi qui écris ta propre vidéo, votre collection, elle, elle t'appartient, hein, Manji. C'est difficile parce que j'ai pas beaucoup de passion, mais je, les passions que j'ai, c'est des, des vraies passions. C'est genre, euh, Je suis assez monomaniaque dans ma vie. C'est-à-dire que quand j'aime un truc, j'aime ce truc et ce qu'il y a autour ça gravite et je m'en fous quoi Donc, ah, par tu l'aimes à la fond musique. quoi voilà la musique j'aime la musique au sens large comme tout le monde aime la enfin, personne déteste la musique enfin je veux dire il y a forcément des ouais. gens qui même celui qui n'écoute pas de musique euh, ça lui fait du bien d'en écouter une fois de temps en temps il est... voilà euh, bah moi par exemple la musique c'est voilà j'ai trois trois quatre genres de musique préférés et puis basta, je ne vais pas explorer, je ne suis pas un explorateur de, de genres différents. Donc ce qui me définit au niveau de la musique, moi, c'est mmh. la guitare. Ma, ma guitare que j'ai achetée en. Alors ce n'est pas ma première guitare, j'en ai eu deux avant. Enfin, alors, la première, c'était celle de ma mère qu'elle avait chez moi et j'ai appris là-dessus. Puis j'ai acheté une première guitare qui était noire. Euh, après, j'ai acheté une autre guitare, donc j'en avais deux. Puis je les ai vendues pour acheter celle-ci qui était beaucoup plus qualitative. Hein. C'est une Yamaha, donc c'est une guitare euh, enfin, qui vaut... Euh, enfin, je ne sais plus combien elle vaut, mais c'est une bonne guitare. Quoi. Donc ça se garde dans le temps. Ce n'est pas une guitare comme ça que tu as pour apprendre et après tu en changes. Donc c'est ma guitare que j'ai depuis euh, 2000, 2008, je crois, 2009. Et je la garderai, hein, parce que c'est un, un peu la même guitare que les Mexicains que, que j'aime. Ah <laughs> les ouais, musique. les fameuses. Les Donc c'est quasiment le même modèle, hein, sauf que ce n'est pas un sur mesure. Donc, euh, alors ce n'est pas plus 1000 euros, il ne faut pas non plus s'attendre. Il y a des guitares qui, vaut, qui valent 8000 euros. C'est la même visuellement, c'est juste que derrière elles sont renforcées ici par des, par des barres en bois. Euh, le bois va être un peu différent, c'est la même forme, mais le prix, ce n'est pas que la forme, c'est le, le, la caisse de résonance. La façon dont c'est collé ici, voilà, c'est aussi la manufacture quoi, derrière. C'est quoi sur le côté là oh, Noir. Alors, ouais. Ça c'est. Parce que c'est une électroacoustique, c'est-à-dire que tu peux brancher ici un câble, oh. tu peux se mettre sur un PC ou une enceinte, que j'ai pas d'ailleurs, j'ai pas d'enceinte, ça, ça sert à rien. Et donc ici tu peux régler la, les basses, les aigus, etc. Et tu peux aussi accorder les. les... Accorder les. Ouais ouais. Les, 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 les... Accorder ta guitare. Quoi. Ah mais d'accord, t'as carrément un ouais. allumant et tout. Euh... Et du coup, t'as un micro à l'intérieur ici qui est... Tu peux changer les piles ici, t'as une pile ici. Enfin, non, mais voilà. putain, mais elle est sophistiquée, euh, la tienne. Là. Attends, non, parce que moi, ouais, je, te, je te raconte un peu. Euh, moi, j'ai eu une guitare un jour, j'ai acheté une guitare, je voulais apprendre à jouer, vraiment. Euh... Mais... Il y a un mais. <laughs> bah forcément, <laughs> sinon. Mais... Euh, en quelque sorte, c'était... Euh, je voulais apprendre à jouer pour euh, ma copine d'avant. draguer. Non, je l'avais déjà. Donc en fait, je voulais... Tu vois, ah, j'étais le gentleman qui continuait à draguer à entretenir sa copine. Pour obtenir la flamme. Voilà, tu vois, tu comprends. Mais en même temps, j'ai toujours aussi voulu euh, jouer d'un instrument, même si c'est pas quelque chose... Enfin, je dis toujours, ça n'a jamais été un, un, un rêve vif hein, non plus. Hein, mais euh... voilà, je me suis toujours dit, tiens, ce serait cool. Et euh, j'arrivais quand même à me démerder, mais par contre, c'était dur. Hein. Oh, c'était dur, hein. Putain, Quand t'apprends et tout, c'était chaud. Oui. Mais j'ai réussi à faire deux trois petits trucs. C'est genre euh, la, la mélodie du Lion est mort ce soir ou des trucs comme ça, quoi. J'arrivais à me débrouiller. Mais euh, après, ben en fait, euh, oui, la vie a fait que euh... je suis passé à chose. C'est à dire que tu as une phase de découverte, donc de progression rapide, on va dire, au début. Ouais, puis tu as une phase de stagnation. Parce que tu veux apprendre des trucs plus compliqués et soit tu passes le cap parce que c'est dur, soit tu abandonnes. Et après as une. Moi je suis dans une phase de bah j'ai pas envie d'apprendre plus parce que je me restreins à ce que j'aime. Et j'aime peu de musique. Enfin, moi c'est musique latino, la rythmique, les percussions sur la guitare, euh, l'unite, la rumba, le... Enfin, voilà, la fl le flamenco. Oh. j'ai que trois tablatures, enfin trois livres de tablatures. Oh. Ils sont, euh, bah, des livres que j'ai achetés sur internet euh, qui sont toutes sur les mêmes les, sur les mêmes euh, le même duo Rodrigo et Gabriela et ça c'est le premier que j'ai acheté ça c'est le deuxième ça c'est le dernier et bah typiquement là dedans j'en ai appris que deux sur 11 euh, non sur 9 euh, là j'en ai appris que deux aussi ou une je sais même plus sur 11 parce que c'est tellement difficile que il faut jouer huit euh, heures par jour pendant de, des années mais oui c'est euh, ça il c'est ça euh, la passion ne peut pas dépasser le temps que tu as à y attribué à y passer. Donc, et ça, je j'ai même pas appris de morceaux dedans. C'est juste et que, tu... que j'aime bien avoir les, les livres. Si jamais un jour je veux apprendre une musique, c'est une vraie tablature. Hein, donc, moi, moi, ça, je suis incapable de lire ça. Alors attends, c'est la guitare, c'est spécifique parce que t'as, faut pas... faut pas croire que je sais lire les notes de musique. Ouais. Chez les, li les lire décryptés, mais faut, je passerai trop de temps. Non, en dessous, tu as une version guitare, ça veut dire que tu as les cordes avec mmh, les, ah, oui. les cases. Je me souviens de ça. Il ne faut de pas ça. confondre partition et tablature. Là, tu as les partitions pour ceux qui veulent jouer au violon, euh, enfin, qui veulent les jouer à autre chose que la guitare, et tu as les tablatures pour la guitare. Donc, moi, c'est que la tablature qui m'intéresse. Mmh. Du coup, j'ai voilà, je, je, je joue quelques morceaux, j'apprends, mais des fois, j'improvise. La guitare, je ne la fais pas par. Euh, je ne veux pas accom accomplir ou atteindre un un niveau de perfection, de maîtrise de l'instrument. Je veux juste que ça me serve de défouloir de, et, de, et de et tu vois les morceaux que j'ai appris, je les ai oubliés. Si, C'est-à-dire que si je veux les réapprendre, je dois ouvrir la tablature. Je passe une demi-heure à regretter trois cordes et puis ça va revenir. Ça, ça, ça revient assez vite en fait. Ouais, mais donc en fait tu te considères c'est le cap. Ouais. Non, je suis pas un guitariste professionnel. J'en fais depuis 15 ans. Enfin, j'en fais. Je les. joue à la guitare depuis 15 ans, mais je. je je veux pas, enfin, c'est pas que je veux pas, c'est que déjà j'ai pas le temps, j'ai pas l'ambition d'apprendre, de, de faire des arpèges, de faire des, des trucs de dingue, quoi. Ah, mais ça reste Même un si acode. Ce que je fais, voilà, putain, y'a tout qui se de casse de la place. gueule autour de moi. Oh, y'a y a un vent de malade, du coup, ça me fait peur, mais ah oui, c est, c est des poubelles tombe. qui se cassent la gueule et tout. Ah non, mais là, tu peux le voir, pourrait... hein, tu, tu peux voir en bas, là, y'a. Y a, y a, pourtant, euh, le, le rideau, ouais. le rideau, il est. Ouais, ouais. Non, mais là, c'est. a un fantôme j'ai des. Bah, du coup euh, en lien avec ça, avec la guitare et, mmh. et, et la Rodrigo Gabriela, bah j'ai les albums, des musiques, donc j'ai tous les albums. Et que j'ai pas de lecteur CD, hein. Enfin euh, j'ai plus de lecteur CD dans mon PC, j'ai plus de lecteur CD. J'ai la PlayStation, à la limite. je suis même pas sûr qu'elle lise les, les, si. les, les, les CD. Si je crois. C'est euh, le premier je album. Je les ai découverts en 2006. Ma mère elle m'a dit tiens apprends la guitare, euh, prends ma guitare et va sur YouTube. En 2006, YouTube, c'était du 320p hein, ou 360p, hein. c'était dégueulasse, mais j'ai appris sur YouTube la guitare. Et euh, elle m'a dit, bah, tiens, moi, je connais Led Zeppelin, c'est hyper connu, tu vas apprendre dessus. Donc j'ai mis du Led Zeppelin, du vrai Led Zeppelin sur YouTube, et je, je regardais les mecs jouer, je prenais une feuille, et je dessinais les manches de la guitare, et, le et je faisais les ronds, enfin, les, les... je disais, ok, il faut que j'appuie ici, j'appuie ici, enfin, je faisais vraiment ma propre tablature de ce que je voyais à l'écran, parce qu'à l'époque, je ne connaissais pas les sites qui font des tablatures et tout ça. En 2006, j'avais 14 ans. que bon. Et puis, Internet, c'était le début. Enfin, le début. Non, c'était pas le début, mais YouTube, c'était le début, quoi. Et... et puis, en cherchant du Led Zeppelin, voyant d'autres vidéos, je suis tombé sur eux, qui dans cet album, il y a une version. Il y a un Star to Heaven, donc qui est la chanson la plus connue de Led Zeppelin, qu'ils ont reprise. Ils ont... ils ont fait leur version de S'Enchanter, chanter, mais ils ne chantent pas. Hein. Ils n'ont aucune parole dans, leur... dans tous leurs albums, il, il n'y a aucune parole. Euh... Et du coup, ils ont repris le morceau de Led Zeppelin. Et. Des clics j'ai dit ok c'est ça que je veux faire c'est cette version de led zeppelin que je veux apprendre parce que la sonorité est complètement différente c'est beaucoup plus pur les Zeppelin c'est des guitares électriques là c'est des guitares sèches et du coup c'est vraiment euh, ce que j'aimais bien quoi et du coup j'ai acheté l'album à l'époque que je pouvais écouter puis j'ai adoré tout de suite quoi et puis j'ai dit bah, ok je vais apprendre et puis j'ai appris une autre musique de l'album du coup que j'ai découvert et puis je les ai découvert comme ça quoi et c'est ce et après, duo là que je suis euh, et dans la tu vas les je suis allé voir en de... concert. Ah Tu vas les voir deux fois en concert parce qu'ils ne passent pas souvent en France. Ils sont passés en, en 15 ans, ils sont passés trois ou quatre fois. quoi. Donc bon, je les ai vus deux fois en concert. Une fois en 2009, 10, 10, 9 ou 10, et une fois en 2019. Mais donc c'est ta mère en fait qui t'a initié. Tu as dit, euh, vas-y, sans mais... faire exprès. Elle est... Grâce à elle, je suis tombé sur eux. Et du coup, elle les adore aussi parce qu'elle trouve que c'est un... un style particulier. Hein. Il faut aimer le. Il le... faut aimer la guitare déjà premièrement parce que si t'aimes pas la guitare ça ne sert à rien et il y a pas de parole donc ça veut dire qu'il faut écouter juste la mélodie c'est ah juste ouais. des, des accords et, et de la rythmique et donc ça c'est le deuxième album c'est le plus ça marque une différence. en fait ça c'est leur c'est pas leur premier album ils en ont fait d'autres avant mais que j'ai pas acheté ils sont pas n'étaient pas assez connus et je ne sais pas si tu peux les rapprocher les ouais. 2006. Ah, oui, oui je peux les rapprocher c'est un œil de d'argon de, 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 komo de komodo ah ouais et dans l'œil, on voit qu'ils sont. Là il, a, là, il y a la fille. Là, il y a il les le deux pieds. Le c'est une salle de concert, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Et donc, l'album s'appelle juste Rodrigo Gabriela. Donc, c'est vraiment latino. Euh... C'est vraiment comme sur ça que je les ai découverts. Et après, le deuxième album que j'ai acheté, c'est mmh. beaucoup plus moderne, en fait. Ils ont modernisé leur style. Ils ont, y aj ils ont ajouté du... des effets un petit peu indiens. Ils ont ajouté des. C'est vraiment. Cet album-là, il est classé latino. Celui-là, il est classé euh, musique, euh... musique du monde, en fait il y, 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 y a de la guitare électrique il y, y a de tout il hein. y, y, y a une reprise de Jimi Hendrix il enfin, y a quand même pas mal de choses et donc celui-là il tranche vraiment c'est la rupture de leur carrière quoi. Limite, une, je te fais une chronique sur eux en fait carrément ouais c'est ce ça c'est quoi je vais, je vais prendre le morceau et puis je vais le mettre dans les couilles. bah tu peux bah, pourquoi pas hein. <laughs> et à la limite on, tu prendras que le début pour la partie collection et, euh, et du coup, euh, à partir de cet album, ce qu'ils ont fait par la suite, c'est de l'expérimental. C'est-à-dire que chaque album a une identité. Donc lui, il était vraiment identité parce qu'à la base, ils étaient, ils étaient dans un groupe de metal hard rock mexicain. Il faut, faut, faut ouais. aller le chercher. J'ai ouais. jamais entendu. Je n'aime pas le metal. Et ils se sont mis à deux. Enfin, ils ne sont pas en couple. Hein, mais ils se sont mis. Ils ont fait leur truc à deux, leur, leur duo à deux, pour se mettre sur la guitare euh, latino, avec toujours des influences jazz et euh, un petit peu métal, mais très léger. Mmh. Ça, c'était leur identité, des trois premiers albums, dont celui-ci. Et à partir de celui-là, ils sont partis en... Euh, on innove, on fait des trucs un peu bizarres. Après, ils, ont, ils sont partis sur une, un remake de, de, leur, de, leur chanson, de leur musique en version cubaine, donc avec des, 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 du pianiste, du, des trompettes cubaines, enfin voilà, musique cubaine. Ensuite, ils ont fait un, un album live, in live en France, donc c'est celui que j'ai vu à Paris, euh, à Lille, pardon. C'est lui qui a été recordé à Lille, je crois, celui-ci. Donc là, c'est un, un concert, donc c'est un mélange. Et après, ils ont fait celui-ci, qui est inspiré de personnages historiques. Et donc chaque morceau, il y en a neuf, et ouais. raconte, au travers d'une musique, l'histoire d'un personnage historique. Il est beaucoup plus mélancolique cet album. Enfin, je veux dire, quand tu l'écoutes, tu as des moments, tu as des frissons, tellement c'est émouvant. Enfin, après, c'est mon ressenti, mais ouais, ouais, c'est pas énergique. Il y a des énergies, parce que c'est un peu rythmé tout ça. Mais c'est beaucoup plus mélancolique que joyeux. Et là, le dernier qu'ils ont fait, c'est sur l'évolution de l'humanité. Comment on évolue et vers quoi on évolue. Euh, on ouais, ça me fait dis, penser... Voilà. Euh... Attends, tu peux montrer euh... ah, C'est ça, ça me fait penser. Alors, soit une montagne qui est pareille dans... Je sais, je fais des parallèles de merde, mais dans Breath of the Wild ou même dans Journail, le... il y a un truc pareil comme ça. Ah ils se sont peut-être inspirés. Et donc là, tu as cinq, euh, sept symboles et chaque symbole représente... Euh une de leur musique alors je, je oh. sans forcément rentrer dans les détails c'est très là c'est une musique imp... c'est pas tribal mais c'est euh... je sais pas comment expliquer c'est difficile mais c'est il y en a une elle s'appelle terracentric tu vois c'est très ancré dans la terre quoi c'est 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 viscéral c'est un album terrestre quoi très euh... ouais, ouais c'est viscéral c'est sur la, la nature humaine ce qu'on fait de la planète ils sont très écolos très ils sont végans je crois aussi. Enfin, tu vois, ils sont bon. C'est pas pour ça que je les aime hein, ou pas, mais enfin, sais, ça n'a rien à voir. Mais ils sont très, voilà, ils respectent la nature. Et... Mais question con, il y a des paroles du coup. Et de l'héritage. Il y a pas de paroles. Ah mais non. Ah ok. Donc c'est de, de la sonorité. C'est euh... de la sonorité. Ils traversent des... la, enfin, la première. Transfèrent des messages, Ils transmettent des messages à travers. Alors, dans leur concert, quand ils ont, parce que le dernier concert que j'ai vu, c'était le concert qui présentait cet album. Donc, j'avais jamais entendu leur musique, j'avais pas l'album encore. Je suis allé au concert, je connaissais pas leur nouvelle musique. Donc, il y en a sept. Et ch entre chacune de leurs nouvelles musiques, ils en mettaient des anciennes que les gens connaissaient pour un peu de ouais. se rappeler que c'était eux. Quoi. Et, et à chaque fois qu'ils présentaient une nouvelle musique, donc le concert il dure assez longtemps, hein, il dure à peu près deux heures. À chaque fois qu'ils parlaient d'une nouvelle musique, donc ils disaient le titre. Ils parlent en anglais hein, évidemment parce qu'ils sont, ils sont mexicains et vivent en Irlande. Ils parlent donc, ils parlent pas français, donc ils parlent espagnol ou anglais. Et là, comme ils étaient en France, ils parlaient en anglais, donc j'ai compris qu'à chaque fois qu'ils présentaient une musique, ils racontaient pourquoi ils l'ont écrite. Il euh, y a même des musiques qui écrivent avec des, sur la base, ils écrivent des paroles et après ils traduisent les paroles en musique. Tu vois, ils font l'inverse de ce que, fait des... ce que font des paroliers en fait. Ah. Et... et du coup, ils disaient, bah, par exemple, je ne sais plus exactement ce... quelle musique, mais il y en a une donc elle s'appelle Witness Tree, donc le Witness Tree, l'arbre témoin. Tree, l'arbre témoin, oui. Euh, ils expliquaient qu'en fait ils ont fait un footing, ils sont allés au Japon, euh, ils vont souvent au Japon, ils, ont fait un, ils couraient à deux, donc ils faisaient un footing, euh, parce que voilà, ils, ils faisaient un footing, ouais. et à un moment donné ils se sont arrêtés, euh, ils ont vu un arbre tellement magnifique, gigantesque, un gros arbre, qu'ils se sont arrêtés, et pour eux c'était un, enfin ils se sont rendus compte que l'arbre était plus vieux que, enfin tu vois il y avait peut-être 300 ou 400 ans, donc c'est l'arbre a vu tellement plus de choses que l'humanité en tant enfin que, que l'humanité à notre à notre fin que les humains actuels on va dire il est là ouais. il est paisible il est, mmh. et du coup quand tu écoutes la musique bah tu vas pas dire ok ils ont fait un footing tu vas pas t'imaginer tout ça parce qu'ils le disent pas dans la musique mais tu tu sens qu'il y a une il y a une inspiration de la nature quoi ouais ils se sont dit euh, l'arbre il était là bien avant nous et il sera là bien après nous et nous on est que vraiment de passage quoi tellement il ah, est, est témoin la... de ce que fait l'humanité ouais ouais, ouais. Exact. Après j'ai le dernier album, c'est celui-ci. Ils ont participé yeah. à la bande son de ah, ah mais c'est vrai, ils ont. 4. Ouais vrai. ouais, il y a une musique by Hans Zimmer featuring Rodrigo Gabriela. Oh la classe. Donc, euh, en 2014 quand j'ai su ça, euh, j'étais comme un fou et j'étais un peu déçu qu'on ne en les entende pas suffisamment dans le film. On les entend un petit peu mais pas beaucoup. Par contre sur l'album, il y a des musiques qu'il n'y qu a pas dans le film. Et pour ça que faut toujours acheter les albums parce que tu as des trucs que tu entends pas dans le film ou que tu entends très peu ou et le thème principal, enfin, un des thèmes magistral, il est d'ailleurs que fait par eux. C'est même pas un Zimmer qui l'a... Il peut-être composé, mais il n'y a, de, de, a pas de violon, il y a pas de tout ça, il y a que de la guitare. C'est un thème de... Vois, je ne sais pas si tu as vu le 4, mais à un moment, ils font un tango sur le bateau. Oh, bah alors, par euh, contre, je, je m'en souviendrai pas. Penelope Cruz et Johnny Depp, ils font un tango sur le bateau. Et le tango, tango s'appelle Angelica, parce que c'est le, le nom de son personnage à Penelope Cruz. Et ce tango, il est magnifique, quoi. Enfin, c'est... Il y, a des violons... Il y a quelques violons qui se rajoutent à la fin. Bah, quand j'aime pas danser, mais quand je l'entends, je... Ouais, je suis transporté. quoi. Bouger, Le quoi, ouais. tango, c'est magnifique. Donc voilà, ça c'était la partie musicale. Alors après, j'aime ai... les instruments. Euh... J'aime pas les instruments électriques ou électroniques. Attends, je vais ranger mes livres. Ouais. Donc j'aime pas les instruments type guitare électrique. Euh... Violon, tout ce qui est électrique, violon électrique, ça euh, je suis pas fan. Donc du coup, moi, je suis plutôt euh, instrument, euh, bah, des vrais ah oui. instruments quoi. Qu'il faut, il, il faut souffler, il faut. Avant et tout ça, ouais. Il faut souffrir pour faire un son quoi. Enfin souffrir. Il faut mettre du de, de son. Il faut donner de sa personne, de ses sens. Sur la guitare, tu vas mettre, tu vois, tu dois appuyer. Une guitare ses sens, le toucher, sais, euh, le. Ouais, c'est ça. La guitare électrique, tu appuies à peine sur les cordes. Hmm. Ça suffit quoi. C'est tellement, tellement plat avec des, des capteurs électroniques que tu n'as pas besoin d'appuyer fort. Là, pour faire une note sans fausse note, sans vibre, enfin, sans, sans truc qui va pas, il faut appuyer vraiment fort sur les cordes ici. Et après, sur le, la partie droite de la main, bah, il faut savoir toucher les cordes avec euh, sensibilité et précision. Alors que la guitare électrique, tu fais ça sur une guitare électrique, tu appuies à peine, tu fais hop, tu as un son parfait, quoi. Tu vois, c'est ouais. un peu un truc de feignant. Ouais par contre, la guitare électrique, ça, je sais pas là la difficulté. C'est pas la difficulté de faire une note sur la guitare électrique. La difficulté de la guitare électrique, c'est d'aller vite, de faire beaucoup de trucs rapides, c'est ça, la difficulté. Et donc cette flûte, je ne sais même pas en faire. C'est quoi, c'est quoi ce tambou là Ah oui, il y a pas, y a pas de bec. C'est pas, c'est pas, biseauté. Ah mais tu veux dire c'est une flûte C'est un peu un genre à la, à la. acheté en Argentine. Saxophone non Où j'en sais rien. c'est un truc rond à la base et tu dois souffler dedans. Si on voit, mais c'est ah un peu si, biseauté ouais. comme ça, et donc il faut souffler, euh, il faut caler ça là sur le creux de la bouche et incliner. Et, et tu mets la lèvre pile poil pour que l'air se fende entre le haut et le bas du biseau. Putain. Donc ça c'est une flûte argentine que j'ai acheté euh, sur un marché en Argentine. Ouais. Et ça, une flûte un peu plus grande, mais ça c'est -ce la même famille. Hein. Donc ça, ça s'appelle un... alors elle est cassée, elle est fissurée ici, c'est dommage. Ça ça s'appelle un Kenacho. Kenacho, ça veut dire petit Kena. Ça c'est un Kena. Il faut déjà savoir ce Un Kena normal quoi. Kena, mais est-ce que c'est un rapport avec Kena Alors c'est pas comme le jeu. Ouais c'est ça, c'est ce que j'ai. dit. pas, c'est pas, mais ça doit peut-être être lié parce que c'est pas. K E c'est Q U E N A et ça c'est un Kena normal. Ou c'est beaucoup plus gros. Ça c'est bolivien. Je l'ai acheté sur internet, mais il vient de Bolivie. Il est écrit ici. Il enfin, y, y, y a le saut de celui qui l'a fait. Euh, et là, c'est plus grave comme son. Alors, c'est difficile. Hein. Ouais, j'ai rien, tu... rien entendu. T'as ah, rien entendu Non, parce que je pense bah, bah, que c'est du. Micro qui non, mais c'est du souffle, donc du coup, ton micro. Ouais, alors, faut que je parle en même temps. <laughs> non, il veut pas. Non, toujours pas. Donc, ah pas non, grave. il veut pas. Mais en tout cas, c'est un son plus sourd, plus, plus grave. Ouais, parce qu'en fait, Discord, il coupe les. Les interférences ou ce ne ah ouais, se dire, pas comme ça. de la voix en fait. Bon, bah tu nous auras fait du air flute, euh, voilà c'est très bien, c'est bon. Du air kina. Du air kina. Du air kina faso. Ah là là là. Voilà. Au niveau musique, bah, j'ai fait le tour du coup. Euh, j'ai pas de. Si tu veux couper la partie musicale pour faire une, une vidéo à part euh, des chroniques ou ailleurs d'ailleurs. Bon, on, on verra, on pourra. Hein. Euh, mais euh, mais c'est bien, ça m'intéresse parce que bah, tu vois. Je te connais, mais en fait, je te connaissais pas dans ce que, ce que t'affectionnes, tu vois. C est, c est mais ça je suis que pas technicien découvrir. de la musique. Mais je suis non, suis pas technicien je... de la musique. Mais ça empêche je... pas. Ça empêche, toi, pas. Exemple, ça algo, empêche euh, pas. Très technique. Moi, la musique, quand on en parle, enfin quand j'en parle, je, 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 sais pas te dire si c'est en dièse mineur, machin, truc. Mais par contre, je sais expliquer ce que la musique me fait ressentir ou ce que je en comprends, ce que j ce que j'interprète de la musique. Mais pas. Mais par contre, une musique avec paroles. Bah, pour moi, les paroles disent tout, donc il n'y a pas besoin de travail d'interprétation, sauf les paroles un petit peu plus euh, métaphoriques, etc. Mais l'avantage que je trouve dans une musique instrumentale, donc il n'y a pas de voix, bah, c'est que tu interprètes ce que tu veux, puisqu'on ne mm -hmm. te dit pas les paroles, donc c'est toi qui les imagines. Puis donc, ça, ça, libre, plus, euh, ça, ça laisse libre cours à l'imagination. Je veux dire, c'est comme bah, comme beaucoup de musique ou où... Euh, alors... Même en m'améliorant en anglais, il y a beaucoup de musique anglais que j'arrive pas à, à comprendre. C'est parfois, même les anglais eux-mêmes ont un peu de mal à, à se comprendre entre eux dans, dans les musiques. Euh, c'est des choses où, tu, comme tu comprends pas les paroles, souvent tu arrives bien à t'évader. Et c'est vrai que des moments, si par exemple j'ai envie de, je sais pas, j'ai envie de réfléchir, j'ai envie de, je sais pas, de me poser dans mon lit et puis commencer à, à réfléchir à des choses, à m'imaginer des histoires, des machins comme ça, ben je sais qu'une musique voilà, qui va être, qui, qui, va, qui va pas avoir de paroles, ça va forcément aider. Euh, et, et là, ouais, mais. Ce que, ce que je trouve intéressant c'est que voilà enfin toi tu te considères pas enfin même tu n'es pas comme tu disais professionnel ou quoi que ce soit mais par contre ouais tu es, es dans les ressentis es dans les euh... ouais c'est quelque chose qui, qui, qui t'atteint qui te touche et puis ouais c'est bien je vais réessayer la flûte parce que j'ai coupé la, la suppression du bruit tu me diras si tu entends ouais, vas-y alors j'ai commencé par la petite alors j'entends ouais, si mieux C'est hyper dur à faire. Hein. Ah, J'imagine. <laughs> voilà, j'ai fait trois notes. Je sais pas du tout ce que j'ai fait comme note, mais j'ai fait trois notes. Donc, tu vois, c'est aigu. Tu nous as commencé un petit au clair de la lune. Là. Voilà, ça, c'est plus grave. C'est plus grave, on sent qu'il y a plus d'espace. Mais j'étais ouais, bon. moi. Euh, bon, je que bon. Le terme musical, c'est plus rond. C'est pu... plus rond. C'est plus ample. Parce qu'il y a plus de caisses de résonance entre guillemets là, ah ouais. dans la petite, mais euh, et en fond, et en fait, ce qui est hyper dur avec ce genre d'instrument, je ressors la grosse flûte, c'est qu'ici, donc tu as que six trous et un trou derrière, ouais, je parle de la flûte, hein. et du euh, coup, ouais, as, euh, <rire> <rire> tu peux faire que, on va dire, six notes, hein, oh ouais. un, deux, trois, quatre, cinq, six, oui, alors que tu en as plus. Même un truc comme ça, en gros, avec une flûte comme ça, tu peux faire une gamme facilement on va dire ouais. tu débouches tes trous au fur et à mesure et puis ça te fait la gamme inversée. Mais avec cette flûte et je pense avec d'autres flûtes d'ailleurs, si plus tu souffles enfin par exemple si je fais ça. Ça doit, être un, ça doit être un ré je crois mais je suis pas sûr. Euh, et ben bah si tu vois c'est un ré grave, et ben bah si je souffle plus fort avec le même Ouais ouais ouais. Alors, je ne sais pas le faire, mais avec un souffle constant et puissant, c'est ça qui est difficile. C'est qu'en fait, tu as le même note, la même note sans changer tes doigts, mais avec un, un souffle plus fort, bah, tu vas avoir une octave en dessous, donc plus aiguë. Mmh. Et c'est ça qui est fou avec les gens qui jouent ce genre d'instrument c'est qu'ils arrivent avec leur souffle et leur ventre à te faire des sons constants déjà. Parce que moi, quand je souffle, c'est comme ça, tu vois, mais c'est pas très stable. Mmh. Et ils arrivent à te faire du, des, des trucs hyper. Euh... Ouais, ils arrivent enfin, à juste cette note quoi. Ils, ils arrivent a... aussi ils arrivent entre à les notes. Ouais. En soufflant, je te montre, je t'enverrai des liens de vidéo si tu veux de, de quelqu'un qui joue qui joue de cet instrument. Ouais. Et quand il joue, il est en, il est en tenue d'Indien, donc c'est un peu pour faire de la mise en scène, mais il est en tenue d'Indien avec des plumes et tout, et on voit son ventre. Il est le... le ventre à l'air libre et son ventre, il fait ça quoi. Trop fort. Il tremble, parce qu'en fait, il... il gère sa respiration euh, au le, enfin au poil de cul quoi. Enfin c'est. Au poil, de devant, mais... ex... ouais, <laughs> au poil de ouais au poil de il n'est pas poli parce que mais ils sont Donc peu importe mais en tout cas il est il... Ouais, le... le souffle doit être précis parce que sinon ta note ta note elle est bah, comme t'as vu elle est fausse ah ouais, ouais j'allais sortir quelque chose mais, mais là j'ai oublié euh, par rapport à ça mais je je sais par plus, poils pas parler de poil de cul non, c'est pour ça. c'était avant. C'est ça qui m'a perturbé. Tu vois ah, <laughs> en plus, Je suis perturbé. Tout bah ça. tu, vois Je te disais la, la puissance du son. Il faut qu'elle soit constante. Et peut-être a as, peut-être as voulu euh, enchaîner là-dessus. Mais c'était par rapport à son, son ventre qu'il arrivait vraiment à ouais à, à moduler ça. Euh... Je sais pas. Bah, c'est parce que nous on respire beaucoup avec les, les poumons et lui il respire avec le ventre. Enfin, ah c'était ce que coup, je voulais ça, dire. C'est un peu comme. Une... C'était la ventre euh, du Kina. Donc, en fait, c'est un peu comme. Euh... Oui. Ouais. <laughs> en fait, gonf... c'est co... comme si son ventre, c'était un. Comment on appelle ça Je ne sais plus comment il on appelle. Une poche tendomie. de. Ah, ouais. Il gonfle son ventre. Mais il gonfle, on le voit pas beaucoup, mais il gonfle son, 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 son ventre et ses poumons par la même occasion. Et il souffle. Avec un flux d'air très fin, donc il jette pas beaucoup d'air en fait, mais le, mais du coup ça se vide tout doucement et c'est pour ça que quand il gonfle, il, il vibre comme ça parce qu'en fait il souffle un petit peu à la fois et en même temps il, il, respire, il respire. Enfin c'est très très impressionnant à voir. Il y en a qui utilise cette technique pour rester longtemps sous l'eau, je crois. C'est un moyen de remplir. Tes poumons ou ton ventre et de l'utiliser de manière, je sais pas, pour respirer intérieurement. Enfin, j'en sais rien, je connais pas les détails. Je sais juste qu'il y en a qui utilisent ces genres de techniques. Tu sais, les profondeurs, tu sais ce que tu kiffes, Vanji Ouais, non, non. non. <laughs> je suis nul en apnée. Je suis... En fait, je suis meilleur en apnée quand je suis pas sous l'eau. Tu que si tu me dis de pas respirer, je vais peut-être tenir 30 secondes. Dès que je suis sous l'eau, c'est 3 secondes et après, je suis en panique. Ouais, hein, plus tu paniques en plus, moi, c'est bon. Bon, bah, ok. Bah, on a terminé le volet euh, musique et de ce Le que volet musical. Dit. Après, on peut passer sur le volet. Euh... J'allais dire jeux vidéo, parce que ça va aller assez vite, en fait, j'en ai pas énormément. Bah, ouvre le volet. Euh, tu... bah, le volet jeux vidéo, donc j'ai la, la PlayStation... Alors, je vais pas te montrer ma bibliothèque de jeux vidéo sur Steam, parce que j'en ai une centaine. Je fais parler des jeux vidéo physiques que j'ai, parce que le physique, ça fera plaisir à Anthony. Ouais, salut Anthony. Donc euh, bah, <laughs> voilà, je vais passer dans donc, les jeux de la PlayStation 4, parce que je n'ai que cette console. Euh, donc un des premiers jeux que j'ai fait... Alors, j'ai je ne l'ai pas en physique parce qu'on me l'avait prêté c'était la trilogie des Uncharted les vieux hein, enfin les trois premiers mm. donc je ne l'ai plus mais après j'ai acheté celui-ci j'ai acheté la PlayStation 4 pour ah. ce jeu t'es un bon toi euh, PlayStation 4 c'est voilà, bon ce jeu il est trop bien je dis ok je le prends sur PC il, fait, <laughs> il est sur PlayStation j'ai acheté la PlayStation j'ai fait le jeu j'ai adoré ah c'est bon. prévu, prévu que je le refasse et non non j'ai adoré ce jeu et enfin, je trouve dingue la mise en scène 2016 il est quand même super beau encore enfin c'est l'un des plus beaux voilà. jeux, euh, oui, bien sûr. Ensuite, du magnifique. coup, j'ai bah, dit que vu que j'avais la PlayStation, enchaîné, dit, je vais enchaîné, j'ai dit je ne vais pas m'arrêter là, ça, ça serait dommage. C'est là enfin, où est né l'amour le... après, ça y est, tout plein, de, tout plein de jeux. Le prochain, le suivant que j'ai dû faire, ça a dû être celui-ci, je pense. Oh, le courageux. Je l'ai Alors... fait jusqu'au bout, et je ne le ferai pas une deuxième fois, parce que c'est... Mais ce jeu est dingue. Enfin... Bah, visuellement, oui. il est magnifique. La mise en scène... Alors après, le gameplay, il peut être un peu lourdo hein, mais... Le fait de, de. Je sais pas, de, le, le rythme. C'est réaliste, en fait. C'est un jeu réaliste dans les déplacements, dans les mouvements. Et... Mais c'est-à-dire que c'est un serait, genre de jeu que je pourrais complètement adorer, mais en fait, il faudrait que j'ai trois vies devant moi, quoi. Le... J'ai pas passé tant d'heures que ça. Hein. Ça, c'est la carte qui est fournie avec, euh, la carte du monde. Euh, ah ouais. de, et, de la... enfin, et donc, tu ressens bien, genre, l'inspiration GTA. Pour toi, c'est un GTA dans le western, quoi, non J'ai jamais joué à GTA. Oh. Okay. C'est ce bon, que... je t'en veux pas. Je c'est ah, oui bah c'est le même studio c'est beaucoup plus mature que GTA enfin, GTA c'est euh, pas c'est pas, créd... pas, pas crédible c'est pas réaliste pas crédible qu'est-ce que le mec il va aller sauter en... enfin c'est GTA pour moi c'est un des fouloirs c'est fait pour là c'est émotionnellement c'est quand même assez enfin, c'est un... plus un film tu vois GTA c'est le c'est le Fast and Furious du jeu vidéo pour moi, mmh. ça apporte de l'argent, ça, ça ameute les troupes, ça divertit, ça défoule. Ça, c'est plutôt un, euh, c'est un western quoi. Donc un western, c'est pensé pour, euh, pour être sombre, pour être euh, le duel. Ça se filmique, prend etc. un peu plus Donc, au sérieux, c'est ce sûr que c'est ouais. beaucoup plus sérieux. Ouais. Bref, c'est en tout cas un jeu que j'ai adoré aussi. J'ai aucun jeu que j'ai détesté sur... J'ai acheté que des bons jeux sur PlayStation, hein. à part la trilogie des Crash Bandicoot, mais ça. Ah, sous, sous le conseil, ouais, mais c'était pas un bon conseil. Après, j'ai enchaîné avec euh, bah, deux très bons jeux. Je veux me faire des ennemis, hein. je sais que je vais me faire des ennemis, mais moi, ça m'a fait découvrir la saga des Assassin's Creed. Parce que je connaissais pas. Je connaissais par Unity que j'avais acheté parce qu'à l'époque, je l'avais piraté. Et puis, euh, bah, je jouais, puis il était cool, c'était Paris, c'était beau. Mais le gameplay m'avait pas forcément beaucoup plus, plus que ça. Là, j'ai. Pareil pour ce moi. J'ai débuté avec. Euh, y... En fait, je n'ai pas, euh, pas essayé. Mais par contre, Origins, j'en en ai entendu beaucoup de bien. Mais déjà, il est magnifique. Tu découvres l'Egypte. Et je connaissais pas du tout la mythologie égyptienne, je connaissais pas du tout euh, enfin, la chronologie des. Tu vois, je savais pas que comment elle s'appelle, Cléopâtre, elle était si récente dans l'histoire de l'Égypte, elle est pas, c'est pas une vieille pharaon. Enfin, c'est euh, là dans, dans cette Égypte là que tu joues, en fait, bah ils parlent déjà de mythologie, ça veut dire que les, les rats, les, non, je sais plus comment ils s'appellent tous les pharaons, les, les, les Osiris et tout ça, c'est déjà des, des vieux des mythes en fait. On, tout le monde pense que Cléopâtre elle a vécu en même temps qu'Osiris, mais pas du tout. Cléopâtre, c'est 2000 ans avant notre ère quoi, seulement. Oui, rapport, c'est ce qu'on penserait, mais tu vois, c'est exactement pour je ça. Je ne connaissais pas. Oui, mais c'est exactement pour ça en fait que je voulais mettre aux Assassin's Creed. C'est parce que je me suis dit, putain, tu peux apprendre l'histoire tout en t'amusant. Et moi, j'étais vraiment dans une époque, une période de. Vas-y, je veux apprendre l'histoire et tout ça, prise de la Bastille, machin, 1789. Et puis j'ai dit, ah, vas-y, allez, je me prends Unity, c'est tout de suite dans le. Et puis du coup, j'ai commencé le jeu, j'étais bien, je dis, waouh, putain, tu vois la prise et tout, c'est trop fort. Et après, en fait, bah, je suis retombé dans les travers des jeux avec plein de loot et tout ça. Et j'ai laissé tomber. Et c'est dommage. Mais moi j'aimerais bien un Assassin's Creed mais en mode Uncharted. Tu vois Ça t'apprend. à euh... ah, linéaire mais avec de l'histoire quoi. Ouais, c'est ça. Euh, parce que là là j'apprendrais ah, si la mythologie enfin, avec plaisir là. Hein. Ah ouais. T'aimes bien les mondes ouverts mais t'aimes pas les, le, le loot. Donc aimes... en gros t'aimes pas les, les RPG. Alors oui et non, attention. En fait, regarde, celui que j'ai commencé hier, Bio Mutant c'est un monde ouvert, c'est du loot, c'est du RPG. Et tout va bien. Mais c'est parce qu'en fait, il faut juste que déjà l'univers complet m'attire. Et qu'aussi, tout simplement, en fait, je me décide d'allouer mon temps pour le jeu. Or là, avec les Assassin's Creed, je me dis attends, déjà, un, ça va me faire je sais pas combien de temps pour le finir. Il y en a encore six autres après, Alors. genre, qui m'attendent. Donc oui, en ai fait, ça me décourage soix... avant soixant... même. De... Une soixantaine d'heures, j'ai fait. Euh, Red Dead Redemption, je crois que c'est 120 ou 140 heures. Tu vois, déjà. <laughs> Ah non attends, je confonds peut-être. Alors c'est plus de 100 heures, c'est sûr. Euh, mais, pour... mais parce que j'ai fouillé l'histoire principale, tu l'as fait en 20 heures comme un jeu normal en fait. Ouais, mais tu mais fouillé en il y, peux... y a des. des... Ouais. Dis-toi qu'il y a des jours où je, je lançais le jeu, je me mettais dans le canapé, donc un samedi après-midi. Euh, c'était pas le confinement à l'époque, mais <laughs> presque pour moi. Je lançais, euh, je n'avais pas avancé, donc j'ai joué peut-être 4 heures au jeu, je n'avais pas avancé l'histoire, j'avais juste chassé tout l'après-midi. Ou euh, je devais par exemple, je voulais euh, tes chevaux. Tu, tu peux les acheter, mais tu peux aussi les capturer si c'est des chevaux sauvages. Ils sont plus rares, ils sont plus, c'est les mustangs, etc. Tu vois donc c'est des chevaux de race qui sont rares et tu dois les capturer. Donc j'ai passé des après-midi entières pour capturer un cheval au lasso que j'arrivais pas à, chasser, à récupérer. À... Tu peux pas l'acheter quoi. Donc c'est ça le, le jeu. Si t'embarques pas dans l'histoire, euh, dans le dans le loot et tout ça, bah, tu te focuses sur l'histoire et dans 20 heures c'est fini. Mais c'est dommage parce que t'as l'univers qui est fou, t'as des as des lieux que tu visiteras pas si tu fouilles pas, hum. et, et pareil pour Assassin's Creed, il y a des j'ai ah, des C'est parce que je me connais et regarde, Breath of the Wild, bah, j'y ai passé euh, près de 150 heures. Parce que je, quand Après, je me C'est des un... coups de cœur, hein, mais oui, c'est ça. Mais bon. pour un monde et ouvert, là, moi il faut que passé pas un coup de sois... cœur. une soixantaine d'heures sur celui-ci, et ouais. donc le suivant. Qui sont pour moi les deux sont, sont les mêmes, hein. c'est enfin c'est pas les mêmes, mais c'est Valhalla est un peu à part, c'est la trilogie, c'est-à-dire que c'est la trilogie des mythologies, mythologie égyptienne, mythologie euh, euh, égyptienne, grecque et euh, nordique pour Valhalla. Euh, Valhalla, je le mets un peu à part parce que t'es pas dans le monde où euh, t'es en Angleterre, parce que t'es déporté de ton lieu d'origine. Au début tu fais un peu de nordique, mais mais au final tu es quelqu'un qui croit en de la mythologie nordique mais qui n'est pas dans les pays nordiques tu vois c'est un peu déporté tu es un peu un immigrant quoi mmh. alors que là non tu te retrouves dans les pays de la mythologie ouais. donc tu visites des lieux de la mythologie qui sont emblématiques et alors que dans Valhalla tu en visites un tout petit peu mais je pense que comme ils ont je pense que la mythologie nordique est un petit peu plus compliquée et moins abordable pour la... le grand public et donc ils ont eu du tu vois là où God of War pour le coup tu visites vraiment des lieux des temples des machins et de la mythologie nordique. Donc pour moi, God of War aborde mieux la mythologie nordique que Valhalla. Mais eux, bah j'ai découvert la mythologie grecque et égyptienne que je ne connaissais pas. Alors bien sûr, il y a des erreurs, il y, y, y a des, interprétations, il y a des, des facilités pour expliquer ce que c'est. Enfin c'est faux, ça explique même pas. il enfin, y a des choses qui ne sont pas historiques, c'est un peu trafiqué. Mais euh, ça, visiter des, je suis désolé, mais aller, aller visiter les temples. De Grèce, moi j'ai jamais été en Grèce, du coup j'ai appris ce jeu là, j'avais envie d'y aller quoi. Mais c'est ça, c'est à dire que j'ai passé. Je t'ai appris quelque chose quoi. 120 heures dessus. Donc 60, ah ouais. 120. C'est les jeux auxquels j'ai passé plus de temps, Red Dead et ces deux là. Ah ouais, c'est fou, c'est fou. Mais à défaut de les avoir, peut-être qu'il faudrait que je regarde genre tes let's play ou des trucs comme ça. Après j'ai eu celui-ci qui est pas mal. Oui! Oui, je l'avais fait, il bien. est sympa. Pour et un spin-off. Spin ouais, pour un spin-off. Ouais. Pas si court que ça. Hein. Non, ça m'avait je, surpris. Je vais, je, vais me refaire, je vais me refaire le Uncharted 4 et celui-ci euh, quand j'aurai fini God of War mmh, ben, et oui. Ratchet and Clank. Tu les euh, fait en petit live, live, non, non euh, Ah bah non, sur PS, tu les fais pas en live. Non, je fais pas de live sur PlayStation parce que pas envie de... je suis dans mon canapé j'ai pas de setup pour filmer. Euh, et après, j'ai un jeu. Oui, bah j'ai celui-ci, voilà que j'ai ai bien aimé aussi. J'ai bien aimé et... Ah, moi, il m'a surpris. Je hein, trouve qu'il y, y a des petits défauts quand même. Par exemple, sur le, la personnalisation de ton personnage, tu ne peux pas faire grand chose, tu n'as que des ponts de show, Bon, c'est un peu dommage. Le sabre laser est très bien, le ressenti. Enfin, moi, j'ai adoré ce jeu pour le combat. Et après, c'est un peu rigide aussi, parfois. Dans, dans, les, dans les sauts, enfin, c'est un peu... Les doubles sauts, ça fait la pirouette, c'est un peu rigide, mais je pense qu'ils vont clairement améliorer ça sur le 2. Donc, pour moi, mmh. le 2 sera un meilleur Jedi Fallen Order que le premier. À mon sens. Oui. Parce après, que attention. L'histoire est, très bien. Il, es... est il est perfectible. Alors, l'histoire est parfaite, mais je parle du gameplay, là. Ouais. Le gameplay, il y, a des... il y a quelques lacunes et quelques lourdeurs qui vont être corrigées pour le 2, c'est sûr. Après, le 2 sera peut-être bien sur le gameplay. Il y avait une histoire de merde. Mais ça, c'est autre chose. Mmh, ça, c'est à voir. Après. Oh, J'ai un petit jeu que. J'ai pas trop trouvé trop trop bien. Non, je rigole, j'ai adoré aussi. Pour moi, c'est le meilleur Spider-Man. Tu l'as pas fait, mais c'est le meilleur Spider-Man, même des films. C'est le meilleur film Spider-Man. J'en ai entendu beaucoup parler, mais en fait, je t'explique. C'est que là, quand j'ai eu la PS5, j'ai acheté Miles Morales. J'ai acheté la version, on va dire, deluxe ou complète. Normal, quoi. Et... Ah non, 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 Donc, tu le aussi. jeu est inclus. Sauf qu'en fait, je l'ai téléchargé, il est là, il est prêt. D'ailleurs, si tu vois mon live Bio mutant tu vois que j'ai l'interface PS5 et en fait ce jeu est là. Mais je l'ai jamais lancé encore. J'ai fait Miles Morales avant. Et d'ailleurs. Pour moi, il est mieux que Miles Morales sur l'histoire. Oh, oui, je pense. Mais, ouais. mais visuellement, il, est... il sera moins beau, c'est sûr. Enfin, moi en tout cas, je ne l'ai pas en version, euh... enfin, en version PS4. Donc... Mais, je, mais je crois que là, justement, il y a une upgrade euh... avec PS5. Ils ont même, je crois, refait ouais, le personnage je, de je Peter. Euh... C'est oui, un mais Peter mais Moi, différent. je n'aurais pas cette upgrade, je crois. Non, eux. Okay. Hmm. Tu peux peut-être si sûr. tu le mets dans ta PS5 déjà tu aurais un petit truc auras un, au moins une upgrade après bah j'ai alors je le terminerai par celui-là bah donc oui bah, j'ai eu ça évidemment avec la PS5 on va pas en parler plus que ça parce qu'il est très bien mais il est un peu court je trouve sur le scénario mais c'est normal c'est pas vraiment une suite j'ai toujours pas fini ah alors t'as eu la préférée vous, aux trois premiers mais cible. alors je vais pas dire qu'il est plus simple parce qu'il n'est pas plus simple du tout, il est même plus difficile parce qu'il faut gérer plus des, nouveaux, des nouveaux concepts. Ce n'est pas juste sauter et glisser, c'est aussi sauter et glisser, arrêter le temps, changer de dimension, changer la gravité. Enfin, tu as plein de trucs que tu dois faire. Mais par contre, bah, tu as un mode sans vie, sans vie euh, limitée. Il est plus Donc, accessible. C'est plus accessible tout en étant plus difficile sur les niveaux en question. Mmh. C'est une préférence. Il y a aussi le mode possible avec le mode à l'ancienne où tu as des vies. Hein. moi, je n'ai pas pris ce... C'est ce, ce vrai que mais... ouais, je ne l'ai pas fait encore celui-là. Il, je... il est très beau. Visuellement, et... il est très beau. Mais voilà, je l'ai acheté. Euh... Je ne regrette pas, mais je ne je... Je... Je le... Je... Je le referai pas une deuxième fois. Mm -hmm. Puis là, j'ai acheté ça sur un... <laughs> Le Bon Coin d'occasion. Je suis en train de le faire. Il est très bien aussi, ce jeu. Et ma perle. Donc, je n'ai pas fait. Euh... Oh, attends, attends. attends. Je d'abord moi. Pas... Ah, mais non, je crois pas qu'il était en boîte. J'allais dire Ori. Alors, Ori, je l'ai fait sur PC. Ah oui, c'est ça. Non une petite perle. Euh... Ça pouvait pas être sur PlayStation. Arrête -oh j ai, j ai... attends attends c'est pas euh, The Last Guardian ou un truc comme ça non Ah non The Last of Us bah évidemment évidemment The Last of Us. En fait euh, j'ai fait. As un, euh... Ça a commencé par The. Last Guardian. En fait mon frère il m'a il avait fait sur la PS4 euh, la PS3 à l'époque le premier euh... chez moi quand on vivait encore en... chez ma mère voilà je trouvais que c'était cool je le regardais vite fait de temps en temps mais j'ai pas suivi l'histoire et il m'avait envoyé il m'avait dit faut que tu le fasses faut que tu le fasses j'ai dit non j'aime pas les jeux de zombies j'aime pas les jeux de zombies j'aime pas les jeux de zombies je le ferai pas je, je vais flipper il m'a dit mais ça fait pas peur c'est j'ai jamais voulu le faire et, euh, et puis le 2 il y a eu la bande annonce et tout enfin la hype est montée je dis putain mais le 2 il me donne vraiment envie de le faire surtout que j'ai la ps4 pro donc ça peut être en 4k enfin ça peut être super beau et, et du coup il m'a prêté le jeu il m'avait même envoyé le film interactif enfin tu sais pas le film interactif mais les cinématiques mises bout à bout ça fait un film d'une heure trente ou une heure quarante et donc, ceux qui ne veulent pas faire le jeu, ils peuvent voir le, le, le film cinématique. il m'avait envoyé ça il y a 10 ans, j'ai jamais regardé. Ah ouais J'ai fait le 1. Et heureusement que je ne l'ai pas regardé, parce que j'aurais été spoilé du jeu, en fait. Donc, j'ai fait le 1. Dans la foulée, j'ai fait le 2, parce que j'ai précommandé le jeu. Euh, non, non, j'ai pas précommandé. J'ai acheté, acheté le jeu au magasin. Il m'a prêté le jeu, le 1. J'ai fait le 1 en 2 jours, et j'ai fait celui-là juste après. J'ai pas, passé 30 heures, à peu près, trentaine d'heures. C'était pendant le premier confinement. J'ai fini le jeu. J'étais en dépression. <laughs> ah ouais. Non, pas en enfin dépression, mais j'étais complètement. C'est trop, c'est horrible et tout. Mais pas pour les mêmes raisons. Enfin, pas pour le fameux truc, euh, voilà, que tout le monde euh, était choqué. Non, pas pour ça. Ça, c'est, oui, c'est choquant, c'est triste, mais c'est plus la globalité du jeu, l'évolution et la fin. Et, et je l'ai refait dans la foulée. J je l'ai fait, genre, je l'ai fini. La semaine d'après, je l'ai recommencé. Mmh. Et je l'ai refait euh, à 30 heures à peu près, donc j'ai passé finalement une, soixante, une cinquantaine d'heures à peu près dessus. Tu vois, c'est marrant ce que tu dis que tu vois, ça t'a mis, c'est genre, t'étais en mode euh, dépression en limite et tout ça. En fait, ça me fait juste penser que moi, je crois qu'en fait, il n'y a aucun jeu qui peut me mettre dans un état comme pourrait me mettre une série ou un film. Je pas souvenir. Alors, je sais qu'il y a des jeux où j'ai vraiment eu des super expériences et tout ça, mais. Tu vois, touché un peu comme bah, rien que le dernier épisode de The Mandalorian saison 2, Enfin, tu vois. Et... Ouais, mais là, t'es pas es touché, mais tu es surtout euh... t'es touché de ta propre. Enfin, t'es touché de... du parcours, du voyage que tu as fait. Et t'es pas touché de finalement les, les personnages. Oui, ils, ils, ils sont émouvants et voilà, gros goût qui sépare, machin, tout ça, c'est triste. Mais là, t'es pas touché dans le sens. Euh... Oh, c'est trop mignon. Oh là là, il va me manquer. Non non, là, t'es. Es... Moi, ça m'a ça m'a anéanti psychologiquement pendant une période. Oh, j'ai ouais. vraiment vécu le truc comme si ça m'arrivait à moi, en fait. D'accord. J'ai jamais réussi à me projeter pas. autant. Oui, mais tu vois, t'as réussi plus, à te projeter, la... mais dans jeu, un jeu... C'est le seul jeu qui m'a... C'est rare. Je veux dire, autant je peux me projeter dans l'aventure, tu vois, comme Zelda, bref of the Wild, je me suis projeté dans l'aventure, mais dans l'histoire, j'ai encore du mal. Il faut... enfin, y a un, un, un autre je jeu qui m'a fait ça, et je l'ai fait en même temps, en plus. C'est ça qui est horrible, c'est que le premier... Après, c'est peut-être aussi l'effet... Confinement où on était tous à fleur de peau en mode oh, la vie c'est de la merde. <laughs> Pourquoi ça nous a Pour y de mon canapé. Et je, je fais le jeu du virus, euh, voilà The Last of Us avec un virus, au moment Iff. où il y a un virus en, dans le monde, bah, le truc un petit peu glauque. Et, euh, et juste après, donc euh, The Last, en, en même temps que The Last of Us, c'est-à-dire que quand j'arrêtais The Last of Us, je venais sur le PC et je faisais Life is Strange 2. Ah, j'ai pas fait le 2. Alors le, 1, le 1 est. 1. Il est j'ai fait très bien, Before the Storm, the Storm est très bien. Le 2, il m'a arraché le cœur aussi. Enfin, c'est vraiment, j'ai fait les deux jeux les, qui m'ont arraché le cœur en, en trois semaines. <laughs> Donc, euh, et j'étais en plus, à ce moment-là, j'étais au chômage partiel, parce qu'ils avaient coupé l'activité dans ma boîte à moitié. Donc je travaillais plus pendant, J'ai n'ai pas travaillé pendant un mois et demi, je crois. Donc euh, j'étais en mode, je fais les jeux que je n'avais pas le temps de faire avant, et, et j'ai fait ces deux jeux-là qui m'ont... La fistrain de jeu, il est dur quand même, enfin, c'est même ne serait-ce que la musique, bref. Mmh. Mais je n'ai pas la boîte parce que c'est du DMAT hein, sur PC. Donc, euh... non, mais je sais qu'il a été apprécié. Euh, ouais. J'avais fait le 1, j'avais les... bien aimé le 1, mais le après... 1 était... est bien, oui. Après, ouais, je... c'est... L'histoire peut... d'amour. Peut-être qu'il y a des choses, oui, il me semble... Alors ouais. que le 2, c'est une histoire de fraternité. Paternelle, oui, c'est ce que j'avais. C'est beaucoup plus... Je ne dis pas que les histoires d'amour, ça n'a pas d'impact, mais là, c'est... Je sais pas, les, les gosses, parce que c'est des gosses, en fait. Ils ont, il y en a un qui a 16 ans, l'autre qui a 8 ans, je crois, ou 10 ans. Enfin, ils sont tout jeunes et... Ils, enfin, c je sais pas, ça m'a fait... J'ai eu pitié de vraiment. Je me suis mis à leur place. J'étais là en mode... Oh, c'est horrible. Ouais. Il bah, y, y, y a des jeux comme ça. Après, tu vois, j'en parlais, c'est pour euh, des jeux genre de Quantic, Quantic Dreams. Tu vois, c'est des genres de jeux... Euh, bah, par exemple, j'avais adoré... Euh, j'ai adoré la plupart des jeux mais tu vois Ivy Reign bon je l'avais fait beaucoup de temps après hein, je crois que je l'ai fait il y a genre un an ou deux bah je l'ai fait mais en mode un peu dégoût quoi parce que c'est vraiment c'est vraiment une ambiance qui est trop pesante pour moi c'est tu vois au davant j'arrive pas au pire il faudrait que ça, ça me touche mais dans le ouais, dans le bon sens du terme dire, quoi que... il faut pas que ce soit c'est pesant mais juste pesant c'est pas drôle Là ouais. Life is Strange c'est pas qu'une pe... c'est pas que pesant il y a des moments de joie et mais en fait c'est un c'est un jeu qui te met dans une ambiance un peu douce-amère quoi. C'est-à-dire qu'en gros, c'est c'est typique des ambiances de Life is Strange, hein. le 1 est pareil, c'est tu as la luminosité un peu orangée, tu un peu tonale c'est un peu c'est un peu nostalgique, c'est un petit mmh. peu enfin, je sais pas, c'est des émotions qui sont à la frontière de la joie, du... de la tristesse. Et puis tu as des moments qui sont hyper durs, hyper tristes et puis y juste après tu as un moment de complicité entre les frères qui Enfin, qui va te... Et en fait, c'est ça. C'est aussi entre les... Et c'est comme la vie, finalement, la vraie vie. J'allais dire, en fait, ça fait très des... réel. En fait, c'est ça est qui très réel. Mais en, en condensé, parce que ça, ça se passe dans un jeu, donc ça se passe sur quelques heures, on va dire. Enfin, toi, tu le joues sur quelques heures. Et comme c'est des épisodes, Life is Strange est en cinq épisodes. À chaque fois, le premier est toujours gratuit, donc vous pouvez le faire. Hein, il est sur Steam. Je dis vous, mais toi, tu peux le faire. Et les les viewers, ils peuvent le faire. Le premier épisode, c'est un vrai épisode, c'est pas juste un truc de 10 minutes, c'est un épisode qui dure à peu près deux heures si tu le joues en entier. Et euh, ça te lance l'histoire. Donc c'est. Euh, et, et les épisodes sortaient une fois tous les trois mois, je crois. Donc tu devais attendre. Moi j'avais fait les épisodes d'un coup, j'avais attendu d'avoir les cinq pour faire le premier. Mais j'ai pas fait tout d'un coup. J'ai fait le premier épisode. Je me suis laissé 2 trois jours avant de faire le 2, deux, puis 2-3 deux, jours avant de faire le 3, juste pour me, me. me hyper, enfin me donner envie de le faire. Et puis c'est un jouet, c'est sais pas c'est un, une ode à, à la vie mais la vraie vie pas la vie ah c'est beau c'est rose non non la vraie vie euh, avec ses, ses lots de, oui, de galères pour certains mais ah, tu te dis il y en a qui ont pas de, qui ont pas des vies faciles et on a de la chance quand même parfois mmh. enfin, bon, en tout cas ça, moi je m'estime chanceux et ça te permet de prendre du recul et de comparer avec ce qui peut exister et t'en rendre euh, vraiment compte quoi ouais, ouais non mais je peux comprendre ouais, qu'on puisse euh... Moi, j dire, j ça demande pas premier, beaucoup hein. d'investissement en temps. Hein. Franchement, si tu hésites à le faire parce que ça t'a pas le temps, euh, en ouais, 10 heures c'est fait quoi. Je vais être honnête, c'est plus... en 5 lives de 2 heures c'est fait. Je vais être honnête, c'est plus l'aspect graphique qui me rebute un peu. Je sais que je ah, peux me faire ça, des moi, ennemis, mais ça me rebute un peu. Non non non, mais ça m'a rebuté aussi parce que c'est un... le moteur n'est pas dingue, mais la direction artistique, donc la lumière, oui. la musique par dessus. Et l'aspect un peu cartoon qui, qui, qui est volontairement fait pour voir que le moteur est pas dingue, enfin pour cacher que le moteur est pas dingue, euh, bah ça donne une... une quand es dans le jeu, vraiment, ça colle en fait à l'ambiance. Mmh. Donc il faut Mais... se lancer, fais l'épisode, il, il, il est gratuit, il, fait, il dure deux heures, fais-le. Ouais, après euh... c'est pour ça aussi que j'avais été au bout du 1 quand même, parce que sinon je l'aurais lâché, j'ai été au bout. Donc non, non ça, ça reste des, des très très bons jeux et... Je... Non, moi ouais, je me souviens j'avais bien apprécié euh, surtout. J'avais été pris pire dans l'histoire de. Le, le let's play. Je pourrais je Regarde le let's play parce que c'est un jeu narratif donc. Euh... j'attends que tu les refasses et puis je regarde tes. lives. Non, je ne les referai pas. <laughs> je les referai pas. J'ai pas envie de faire une deuxième dépression. <rire> <rire> donc du coup, euh, bah, maintenant qu'on a fait les jeux, euh, après je pourrais parler de tous mes jeux PC, mais sur PC j'ai pas de jeu marquant. Euh... Les jeux PlayStation, je les, je les considère vraiment à part parce que c'est des jeux narratifs, à part euh, Crash Bandicoot et, et Assassin's Creed, mais sinon tous les autres, c'est des jeux que tu vis sur une histoire de quelques heures, euh, voilà, 20 heures de cette histoire. Les jeux PC, c'est plus du, du Call of Duty, en mode de, je veux faire du multi avec des potes, ou j'ai pas, pas de gros jeux, à part les Life is Strange, comme ça, coup de cœur. Si, les Ori, j'ai bien aimé les Ori, plus le 2 que le 1, parce que le 1 est assez difficile, je trouve. J'ai pas fait le 2 encore. Le 2 est plus abordable. Il faut... il... Déjà, il est beaucoup plus beau. Enfin, beaucoup. Il est plus beau. Mais j'ai bien aimé. Et, et j'ai fait Hellblade aussi, j'avais bien aimé sur PC. Mais mmh. c'est un jeu à la God of War, donc ça te plaira pas, je pense. Ouais, non, 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 mais je sais. Mais Je crois qu'ils ont fait une énorme promo Hellblade 2 euh, au début de la sortie. Hellblade ah, la... 2, ouais. J'ai fait le 1 parce que je voulais voir le. C'est comme God of War. J'ai fait God of War parce que je me dis, attends. Tout le monde parle de God of War 2, il y a de la hype autour de ce truc. Est-ce que ça vaut vraiment le coup, quoi? Est-ce que c'est. Ou alors c'est une fausse hype. J'ai fait le 1, ben je suis en train de le faire. Je me dis, ok, le 2 m'intéresse maintenant. Mais je voulais pas être intéressé juste parce que les gens étaient intéressés, tu vois. Oui, mais tu ne savais pas qu'il y avait eu plein d'autres jeux avant. Non. Enfin, si je savais qu'il y avait d'autres jeux, mais je pensais que c'était un reboot, en fait, le God of War de PS4. Donc bon, j'ai loupé des infos, c'est pas très grave. J'ai compris le jeu quand même. Enfin, je comprends quand même l'histoire. Hein. Ouais, tu trouves des, des résumés que, euh, que, très bons. On hein, comprends sur quand un même jeu. que t'es pas, pas à ta place, on va dire. Mm. T'es pas, pas dans la bonne mythologie. Euh, ouais. qu Par quoi on peut continuer Allez, on ouvre un autre volet. Euh, L'autre volet. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire je On fait pas, comme Lucas, ouais. là, on met des volets partout. Là, c'est l'étage James Bond. Là, 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 <rire> là. <rire> et bah, ben, c'est des étages Star Wars. Et en bas, il y a un petit peu de tout il y a mes partitions, il y a mes... mon livre de, un livre de recettes végé vegan. Ouais. Bah, je ferais bien euh... grosse, euh, de y penser. Ah, carrément, c'est cool. le tome 1 et le tome 2 dans ma chambre, je crois. Mais c'est de la science, hein, donc il n'y a pas, pas d'histoire là, c'est pas un roman. Hein. Bah écoute, je ferais bien limite du haut en bas, de haut en bas, ça peut être sympa. Mais euh, encore une faire, fois, c'est. Je vais faire d'abord le bas, je vais faire de bas en haut, puis je ferai James Bond. Et après ah, je allez, parfait. Alors, en bas, qu'est-ce que j'ai J'ai les livres de tablature que je t'ai montré Ouais. Recette de cuisine, on s'en fout. Oh non, moi je veux. Montrer mon livre de <laughs> 7, si tu veux. Donc, allez, vite fait, un petit défi culinaire. Alors, j'ai les recettes végétariennes. Ouais. ratable alors, ça, c'est quoi C'est mon frère qui me l'a offert. J mais genre, tu le regardes au moins Quand tu fais tes plaques. Ouais, des fois, je fais. Bah, je je l'en fais rarement, mais j'ai mis des post-it sur les plaques que je préfère, enfin, qui me parlent, on va dire. Donc, je vais t'ouvrir un au pif, celui-là, par exemple. Est-ce que je l'ai déjà fait, celui-là Non, je l'ai jamais fait, donc je ne vais pas t'en parler si je l'ai jamais fait. Ça ne sert à rien. c'est quoi ça Suspense. Tartilla. Il faut que je parle d'un truc que je me souviens parce que sinon. Ouais tarte poivron et boursin, c'est pas non plus dingue. Euh, salade, ah ça, ça j'avais bien aimé. Une salade de lentilles pommes et feta. Ah pas mal. Tu il bon, donné faire un à Ah j'ai faim en plus. Ouais. Voilà tu mets une pomme donc tu peux mettre... Là ils ont mis des tomates en plus dans la photo mais euh, des poivrons crus. C'est très bon le poivron cru. Et tu mets avec des Avant je pouvais pas supporter bon. le voilà, poivron, maintenant j'arrive ah, à ouais. en manger mais ouais force les poivrons comme les oignons Et mais pareil, poisson, pareil les oignons rechètes, je pouvais pas me euh... les voir maintenant j'aime bien pour les oignons rouges je les mange comme ça aïe, aïe. avec du camembert <laughs> oh, mais, hein. oui, ah bah défi culinaire hop prochain oh, ah ouais en plus bah ouais ça, un, défi... C... un défi culinaire qui euh, un camembert qui pue hein, parce que sinon c'est pas drôle je sais pas s'il y a vraiment si on ouais. pourrait trouver du camembert qui pue pas hein. ah, tu parlais tortilla tout à l'heure bah tiens tortilla poivron mais parce que j'avais vu tortilla ah et puis après, Ah, j'avais fait ça aussi. Ça, c'est pas Bagel mal. C'est des bagels. Ah ouais. Bagels, Bagel, avocat chèvre. Ah ouais, mais ça, Et miel. Oh, là Et oh là là, mais ça, j'en avais mangé une fois. Ça, c'est mon, de... mon livre de cuisine. Après, j'ai bah, mes coloriages. Que je pas fait depuis longtemps. Avec Coloriage, c'est vrai T'as ça, toi Ouais, j'ai un livre. Alors, c'est des chiens, mais en gros, c'est du. C'est des. Ah! On veut ouais, en ouais, voir un ouais, que t'as fait, je suis désolé, mais là. Ah mais tu les as fait. C'est pas moi qui ai dessiné, hein, bien sûr. Mais t'as un, je crois. En fait, c'est des dessins vierges, des... et c'est des oui. là. en fait. C'est ce que fait Hayden avec sa mère. Et tu mmh. colories. Euh... J'ai fait celui-ci, par exemple. Vas-y, mais putain, mais tu te débrouilles en fait. Alors après, quand tu zooms euh... et tu, fais... tu mets les couleurs que tu veux, hein. C'est-à-dire que bah, c'est toi qui décide. Donc là, je l'avais fait un peu en mode mexicaine, tiens, un peu les, les trucs mexicains, là, les fêtes de okay, la fête des morts. Et après, j'en avais commencé un, mais que j'ai pas fini. Putain. Mais toi, je me dis, euh, toi, genre, tu kifferais vivre dans ces genres de pays, je sais fait, pas, Mexique, Cuba... Ou... J'ai fait deux semaines en Argentine, c'est magnifique, hein. Les villes, l'ambiance, euh... ouais, la bouffe, ils mangent pas de poisson ouais. déjà. Oh. Tu es, es très enfin, attaché. C est, c est euh, ouais, feutres, je pense hein. que ton, ton avenir est peut-être là-bas. Ouais, mais non, parce que c'est pas... assez rude quand même. Tu veux dire, déjà, il fait chaud. Ah, par contre, euh, oui, la vie là-bas euh, et tout ça, c'est pas. C'est rude. Hein, L'Argentine, franchement, c'est pas pauvre parce que bah, c'est un des plus... les pays les plus riches de du... l'Amérique du Sud. Mais c'est pas riche. Quoi. Enfin, tu vois que les gens bah, peuvent galérer. Il euh, y a beaucoup d'animaux dans, dans la rue qui traînent. Euh, bah oui. Des chiens errants, maigres comme. Euh, Mais en, en entre, reste, entre, entre toutes, les, quoi. toutes les discussions que j'ai ici depuis que je suis en Amérique du Nord, euh, l'Amérique du Sud, c'est pas parlé. Euh, ou même quand je vais à mon meet-up il y a des gens qui viennent d'Amérique du Sud, je peux te dire que de ce qu'ils te disent, des fois, ouais, c'est voilà, galère et puis c'est pas forcément. Euh, Ouais, sûr. en fait tu, tu peux bien vivre oui en buenos aires c'est comme, comme ici quoi tu c'est hyper euh, cosmopolite c'est as des roues, t'as des as des noirs, as tout le monde. C'est pas que des Mexicains, que des, lat des latinos quoi. Donc euh, c'est très, as pas l'impression d'être en Argentine. Et après moi j'ai fait Buenos Aires deux jours seulement. Après je suis allé euh, à la frontière brésilienne avec les chutes d'eau là. C'est très touristique donc finalement tu vois plus de touristes que de, loca de locaux. Et après la grosse partie du voyage qu'on a faite, donc ça c'était quatre jours au total, et la grosse partie du voyage qui nous a pris douze euh, jours, c'est on a pris une, on a loué une voiture, mais de l'autre côté à la frontière bolivienne on a loué une voiture et on a fait euh, bah, les villages quoi les villages locaux euh, les gens qui vivent dans des maisons euh, tu vis chez l'habitant enfin pas chez l'habitant mais dans des maisons d'hôtes les gens ils sont hyper accueillants ils... Pékin Express je peux te dire que j'ai parcouru le monde grâce à cette euh, émission et ouais. je peux te dire que l'hospitalité des de... gens qui ont rien ouais. ceux qui en ont le moins c'est ceux qui en donnent le plus en fait c'est incroyable après, on n'a pas dormi chez les gens. On a été toujours dans les hôtels qu'on avait payés sur Booking. Ce n'est pas non plus le, le, le trou du cul du monde. Hein. C'est quand même touristique. On a suivi un, un, un chemin touristique réputé sur les routards. Mais euh, les hôtels, ce n'est pas des hôtels, tu as, as, as quatre chambres. Enfin, C'est des petites maisons d'hôtes, ils te font à manger, ils te font, le, ils font tout eux-mêmes. Enfin, ils sont super gentils. Et, et, bon, par contre, ça. je ne parle, parle pas un peso d'espagnol. Euh, <laughs> J'ai juste appris à dire, je veux, je veux un verre de rouge. Euh, <laughs> ou une carafe d'eau mais je ne sais, sais plus le dire d'ailleurs euh... et... ouais je ne saurais plus euh... ah, Vinotinto je crois Vinotinto c'est pour le rouge oh, euh, alors c'est certainement pas ça que je me serais souvenu et <laughs> le verre d'eau alors moi je demandais de l'eau pétillante c'était Agua euh... Agua. <laughs> Agua mais la pétillante je ne sais plus comment on dit et c'est voilà, pas Agua voilà. des boulots hein, <laughs> <laughs> Agua des boulots <bouleaux. rire> qu'est-ce euh, qu qu'il sort lui. je sais plus il y a un, un terme c'est cingas ou congas ah c'est ah, ça ah oui congas. congas mais je sais pas je, je sais euh, plus les. que con je vais pas aller euh, dire congas il faut dire la phrase je veux je voudrais et ça je sais plus faire je sais pas quoi con las boulas un... là <laughs> non mais à apprendre l'espagnol mmh, je, je suis pas très linguistique moi je veux. Je, oui, j'aimerais avoir le don de parler espagnol sans apprendre. Je suis pas très patient. Donc apprendre des langues. Euh, j'ai fait 13 ans d'allemand. Ah je ouais. sais pas parler allemand, quoi. Donc c'est frustrant, quoi. T'as fait allemand au lieu d'espagnol Moi j'ai fait espagnol direct. J'ai fait, fait allemand ça... LV1. Ça me servira toujours mieux. Oh. Ah ouais, dis non. Et, et donc mon anglais, c'était le LV2. Ah ouais. Et après, en prépa. Euh, en prépa, je me suis rendu compte que l'allemand ça me servirait. Enfin, c'est pas que je m'en suis rendu compte, je le savais que ça me servirait pas, mais je, je régressais parce que ça, ça, je me disais, enfin voilà, j'en voulais plus. Donc, en plein milieu de l'année, j'ai dit, bah, je vais prendre anglais LV1 pour les concours. Et j'ai pris anglais LV1 parce que, en fait, l'allemand au lycée, ça va, c'est facile, c'est très rigoureux, tu vois, t'apprends par cœur le vocabulaire, machin. Et à partir du moment où tu arrives en prépa, où il faut analyser des textes philosophiques en allemand, je laisse tomber. Hein. Je préférais faire l'anglais. Donc j'ai abandonné l'anglais allemand pour les concours, parce que sinon j'aurais eu des sales notes. L'anglais, ce n'est pas plus simple, hein, parce que tu as, as aussi des textes philosophiques en anglais, ce n'est pas de l'anglais courant. Mais, mais moi, l'oral, ça a toujours été compliqué. Hein. Anglais, allemand. Euh... Mais je vais te dire, moi qui suis en plein dedans, j'apprends euh, l'anglais, euh, je suis à fond dedans, même si... Là, je suis un peu plus, un peu, je l'avoue, dans ma zone de confort, mais j'essaye des fois d'en sortir. Mais apprendre une langue, je dirais même mieux maîtriser une langue, c'est si dédié, mais vraiment tellement fortement. Et puis, user de bah, stratagèmes, pas, tellement. C'est pas un don, non, 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 c'est du travail. Bah, c'est du si travail. Il y a des gens qui, naturellement, vont être Oui, mais je te parle pas de cela. Je, par... je te parle pas des gilets. Ce... Moi, je te parle oui, d'humain, bah, oui, a... enfin... d'accord <laughs> Je te parle non, pas, de, pas de questions. Il y en a qui vont. moi bah, j'ai pris ma guitare, j'ai appris en deux, en deux semaines un truc que quelqu'un aurait peut-être mis trois mois à apprendre. Bon, bah à l'inverse, moi, tu me mets en. J'ai vécu trois mois en Allemagne en stage. Bah, je parle pas. Je parlais pas mieux allemand à la fin mm. parce que j'y mettais pas du mien, parce que ça ne m'intéressait pas, parce que j'étais dans une entreprise française aussi. Donc, je parlais français et quand je faisais mes courses, bah, j'avais pas besoin de parler, donc mm. je faisais pas l'effort de parler allemand. Et puis c'est moche tellement, faut le dire aussi. Enfin, moi, ça ne me, ça me plaît pas. Ça m'a jamais Donc, ça attiré fraise. non plus. Ouais. Mais, mais c'est ça, tu vois. On dit don, mais c'est tout simplement le cœur que tu y mets. Si jamais tu es intéressé par ça, c'est ça qui va te pousser à apprendre. Et à Alors, le rapidement. don, oui, non, c'est un peu divin, mais je veux dire plutôt une prédisposition. Ouais, d'accord, ça je ou... peux comprendre. Ouais. Ouais. Le sport, mais... c'est pareil. Je veux dire, on est tous fait pareil. Demain, je fais euh, trois mois de pompe, bah, je serai musclé, mais j'en ai pas envie. Ça m'intéresse pas. Demain, ça je fais trois mois d'avance. Je serais musclé. <laughs> La naïveté. Non, mais, non, mais je, je, je caricature, mais c'est Ouais, dire je, que... comprends, je comprends. À partir du moment où on t'apprend, bah, tu y arrives. Mais... <laughs> je peux te dire que si... <laughs> Moi, je, suis... bon, je, je sais que t'exagères mais s'il fallait trois mois pour être musclé, putain. Avec toutes les années de musclés que j'ai derrière, si tu, tu vois le corps que j'ai, je ne suis, suis pas bodybuildé. Donc... Bah, Après, je ne cherche position. pas à être bodybuildé. Mais ah oui, il y en a, ouais, qui, vont, clairement. Y en a ah ouais. qui vont faire un, un, trois pompes et ça va se voir tout de suite. Enfin, J'exagère encore une oui, fois. Mais... Oui, mais je comprends ce que tu dis. Ah ouais, par contre, tu as complètement raison. Ça dépend du métabolisme. Et oui, bah, en fait, je, de ce que j'ai remarqué, c'est que les gens, on va pas s'étaler là-dessus, mais les gens qui ont de la proposition à prendre du poids facilement, c'est aussi ceux qui prennent du gras, on va dire, rapidement. C'est aussi des gens qui, prennent, qui peuvent prendre du muscle rapidement. Moi, je suis quelqu'un qui... Bon, c'est sûr que si je me mets à bouffer euh, que de la merde tout le temps, tous les jours, forcément, je vais prendre du poids. Mais ça va se faire doucement, tu vois. Et donc, les muscles, c'est pareil. Moi, il faudrait que je fasse genre 10 ans de muscu vraiment intense, que je bouffe bien et tout ça, pour commencer à avoir une, une bonne carrure. J'ai atteint une certaine carrure, là, depuis que je m'entraîne. Euh, euh, depuis, bah, j'ai commencé en 2016, après, j'ai un peu lâché. Et puis là, avec le confinement, j'ai repris. J'ai un rythme vraiment bien soutenu. J'ai repris. On va dire que j'ai peut-être. Dans, 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 dans mes différentes shapes que j'ai eues, je suis peut-être dans ma meilleure. Mais c'est sûr que bon, euh, tu me vois euh, torse poil, tu vas dire bon ok, oui, t'as une forme quoi, mais t'es pas euh, bodybuildé quoi. Mais c'est parce que tu veux, enfin Non non, c'est pas je, je veux désolé, pas, mais je veux pas être bodybuildé non le plus. Le bodybuilding, non. ça fait un peu kéké quoi. Non non, mais là on, on, on parle de on parle de corps euh, avec une shape et bodybuildé Il y a des gaps entre les deux, tu vois. Et peut-être que approcher un gap euh, entre les deux. Non, là. Euh... Alors là, c'était mon bras gauche, hein, ok <laughs> Tu veux que je te montre le bras gauche aussi <rire> <rire> Bon, bref, de toute façon, pour ce que je. Moi, pour moi, les choses dans la vie doivent être utiles ou agréables. Je suis d'accord. Si ça ne m'est pas utile ou si ça ne m'est pas agréable, je ne passerai pas de temps dessus. Et donc, mmh. le sport, ça ne m'est pas utile. Je n'ai pas dit que ça n'était pas bon pour la santé. Je sais que ça me ferait du bien euh, à long terme. Quoique, ça dépend quel sport. Me péter le dos pour avoir des muscles, non. Mais par exemple, ne serait-ce que nager, mon, mon kiné m'a dit mais t'as des problèmes de nuque, donc il faut que tu fasses la natation parce que ça te muscle le dos, c'est ce qu'il y, ce qu y a de plus souple pour le corps, la natation, c'est pas, pas agressif, c'est pas violent. Mais l'eau et moi, ça fait deux, donc... Euh... Ouais, parce que même dans une piscine Ah mais non, je sais nager, je sais faire des longueurs, mais à Partir du moment où je vais penser, parce que naturellement, je vais penser à un moment donné à euh, ah, poisson, à ah, requin, à ah, panique, et je vais sortir de la piscine. Parce ah ouais, que eau oh, égale euh, panique, en fait. C'est phobie, alors, même si. si je... je... enfin, c'est ouais, un, ouais, un toc ou une phobie, j'en sais rien, mais c'est. En vacances, si j'ai une piscine, même si j'ai pied, je vais dedans, il faut que je sois collé à un mur, il faut que je sois collé sur un... au bord de la piscine, il faut pas que je sois en plein milieu de l'eau. En fait, ça réveille en toi le... la phobie Pourtant, j'ai jamais été confronté à, à ouais. ce genre de problème. Ouais, mais c'est familial, hein. toute ma famille a ça, enfin, mon ah, a ça ma mère a ça, Donc ma tante a peut... ça. Ça peut passer. Mais après, Donc, oui, c'est pas... les... Mais tu as raison, enfin... Mais tu as raison dans le sens où il faut que ce soit agréable et utile. Moi, je, je t'avoue que c'est pas tous les matins où je me réveille en me disant Ouais, vas-y, oh, trop bien, je vais faire du sport. Non, euh, quand, quand j'y vais, des moments, je suis un peu en mode C'est le moment d'y aller, mais en fait, quand j'y suis, et en fait, c'est surtout le après. Ça me, mais ça non, me mais détend ça me détend agréable, ça peut être après. Aussi. Ah ouais, mais ça, bah, ça me fait tellement du bien. Et pour l'utile, on va dire que c'est plus pour moi-même. Parce que j'ai toujours porté un intérêt de mon reflet, quoi, quand même. Voilà. Mais sans pour, pour, moi, sans, sans pour autant être égocentrique non plus. Bah, je serais plus un blanchiment des dents. Ah que, oui. Euh, mmh. Qu'une qu qu sèche, quoi. Ah ouais. euh, parce que pff, le sourire, c'est. Tout le monde le voit, t'es pecs bah non. Hmm. Pas ah non, mais, mais es c'est artificiel aussi après. Au tout, bureau. Ouais. Donc chacun, c'est. Sait... Mais par contre, là où je te rejoins, c'est que. C'est pas parce que quand je dis que tout ce qu'il faut que je fasse ce qui est utile ou agréable pour moi, pas forcément agréable à l'instant même. Par exemple, euh, je sais pas moi. C'est-à-dire, euh... lire un livre, ça ne me met pas agréable au moment où je le lis, mais ça dépend des livres. Mais euh, je sais pas, il y a des trucs que. Je sais pas d'exemple là tout de suite qui arrive, mais des trucs où tu es content de le faire, bah typiquement euh, préparer un truc chiant, euh, faire un montage de vidéo, euh, c'est chiant, mais à la fin tu sais que ça va être cool parce que les gens ils vont, ils vont regarder la vidéo, parce que ça va faire rire les gens et tout ça. Mm. Donc c'est aussi la fin que tu veux. Donc euh, toi ton agréable moment du sport c'est après. Il mm. y en a qui kiffent pendant, il y en a qui qui... C'est vrai qu'il qu y, 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 y a, a une double tout. chose. On pourrait partir vraiment sur de la philo là mais tu vois c'est comme là en fait, bah, tu vas faire une émission vos collections philosophiques ouais, mais... et en même temps unboxing parce qu'il y a un petit unboxing et en même temps euh, bah, chronique sur la musique ouais ouais mais c'est un peu tout mais voilà il va falloir euh, envoyer un mail à YouTube pour dire on peut agrandir les titres des vidéos c'est top là <laughs> euh, voilà. mais non mais ce que je, ce que j'allais dire euh, je sais plus <laughs> je sais plus qu'on disait euh, on parlait de quoi si tu dire euh, bah regarde ton replay, là. <laughs> relance le vidéo. Non je ne Je veux pas. Mais là mais on parlait on parlait de sport. ah oui non on parlait oui de choses en fait qu'on fait mais que on on le fait parce que bah, c'est quelque chose qui nous fait plaisir mais quelque part ça peut avoir des, des sensations un peu dérangeantes et puis la lecture tu, tu l'as pris c'est en fait la lecture c'est vrai que parfois en fait mais ouais c'est le moment où il faut que je m'y mette et puis des fois même quand je m'y mets mais mais après t'es satisfait et puis en fait en fait, je crois que c'est la, la recherche de la satisfaction d'arriver au bout et de te dire, c'est de dire, tu regardes le livre et tu fais, j'ai lu ça. Et puis en même temps, mais pas que ça, parce qu'il n'y a pas que ça comme plaisir. Il y a plaisir de te dire, j'ai vécu une histoire, j'ai vécu quelque chose. Et en fait, c'est assez nouveau en fait pour moi parce que tous les livres que j'achète depuis que je suis, ben, depuis que j'achète des livres, c'est que ça a été que des livres de développement personnel. Je n'ai jamais acheté de roman, jamais. Jamais, c'est mes premiers romans. On va y si... arriver chez moi. Le, le pr... comment On veut dire on va y arriver à mes romans parce que je dis que je lis pas oui. mais j'ai plein de romans. On va... Ouais, on va y arriver. Mais je, je finis juste sur ça, c'est alors si mon premier roman ça a été celui de Mathie Madiel, celle qui est sur le le, le, le serveur, donc c'est le, le livre que j'avais acheté que qu'elle je... enfin, qu m'a envoyé en fait tout simplement. Et donc ça a été le premier en fait, on va dire, roman. Et puis après bah en fait j'ai enchaîné sur un roman anglais. Donc elle donc donné le... euh... elle t'a donné l'envie de lire mais c'est peut-être la précur- attends précurseur précurtrice précur précur... précur non c'est peut-être une c'est triste à la fin j'en sais rien on s'en fout ou pire euh... la précurseur non la précurseur avec ouais, peu, la précu... comme la procureur ouais c'est la précurseur en fait qui m'a qui m'a aidé euh... ouais qui m'a qui m'a offert le tremplin puis après aussi j'ai été quand même pas mal aidé par l'envie de découvrir la haute république par avant tout le monde et en plus de bosser mon anglais, je t'avoue que là, ça faisait quand même beaucoup. Euh, beaucoup de. Ouais, et en même temps, si tu pouvais faire des abdos en même temps, alors là, c'était. Ah, tiens, c'est une idée, ça faudrait que j'essaye. Non, faut que je sois concentré. En fait, tu mets le livre ici, non. et pour le lire, il faut que tu t'approches. Et de quoi ça te fait du gainage Ouais, je pourrais. Et moi, mais... comme je suis myope, il faudrait que je sois collé. Alors, je peux te dire le gainage de dingue. Non, ouais, tu prends une espèce de chaise comme ça, où tu... et puis tu remontes comme ça. Ouais, non, mais c'est bon, allez, on a... <laughs> arrête avec ça. Voilà, on part sur le, sur le sport aussi. Mais euh... non, et puis après, il y aura du montage à faire. Hein. Ouais, c'est bon, t'inquiète. J'ai l'habitude, mais les, votre collection, je fais toujours comme ça. Euh, mais après, il y a beaucoup. De... Tu vois, il y a eu la haute république. Puis après, à Soka, j'avais préparé, préparé mon truc pour, pour faire le podcast avec Wellstone Et puis là, maintenant, c'est Obi-Wan et Qui-Gon. Donc ça, c'est deux personnages que j'apprécie beaucoup et tout ça. Donc bah, là, je les découvre et j'en suis 150 pages, à peu près à moitié du livre. Euh, je lis mes, mes 10 pages par jour. Euh, et c'est bien, il se passe pas en fait grand chose, mais c'est juste le plaisir en fait de, de lire ce qui se passe, d'être avec ses Moi, personnages sur, et euh, tout. Pour Light of the Jedi, euh, j'étais chez ma mère là, là, pendant une semaine, j'ai avancé de dingue, j'ai lu, enfin euh, de dingue, à mon, à mon échelle en tout cas, j'ai lu deux parties entières euh, en deux semaines, en une semaine, enfin même pas en une semaine, en cinq jours, parce que j'y suis allé que cinq jours. Euh, en... J'ai lu, donc ça fait quoi 400, 300 pages 350 pages peut-être euh, Ouais, le livre français, est 500. Ouais. Le livre fait 500 pages en pocket. La partie 1 fait 150. Donc, j'ai lu 350 pages en, 3, en 5 jours. Et je, je, je lisais pas du coup 10 pages par jour, forcément. Et ah y a ouais. des, y a des, au début, j'ai eu un peu de mal à me forcer. Enfin, me forcer. Et il y, y a des chapitres que j'ai... J'ai peut-être lu 5, 6, 7 chapitres d'affilée. Putain. Mais je parce que sais pas si C'est ça, c'est que moi, je me, je, mon cerveau divague beaucoup. C'est-à-dire que si j'ai de la distraction, un PC, une guitare, un truc... Je, il faudrait que je sois aveugle. que je... Si je me ferme mes yeux, je ne peux plus lire. Tu vois Donc, mmh. Je suis vite distrait ou je suis très papillon. J'aime bien faire plein de choses. De... Et du coup, pour lire, ce n'est pas possible. De lire, tu es obligé de te plonger. Et ça, ça aide à la concentration, d'ailleurs. Mais je ne peux pas. Là, si par exemple, je me mets devant mon PC et lire, je vais lire un chapitre, je vais voir un message sur le Discord, il y aura un débat, paf, fou, fou, je vais partir dessus. Tu vois. Ouais, c'est ça, c'est que tu pas de, de distraction. Ouais. Mais avant qu'on enchaîne, je finis aussi sur les choses qu'on fait et qui, qui nous apportent du plaisir et qui en même temps peuvent être contraignants. C'est que récemment, bah, je pense que tu as dû voir passer le message euh, la lecture m'a donné envie d'écrire. Euh, mais l'écriture, moi j'ai écrit beaucoup de choses depuis que je suis tout petit. Des trucs de merde, hein, quand, comme des, les mêmes trucs de merde quand tu es petit. Quoi. C est, c est... Mais j'ai toujours eu cette envie d'écrire, j'ai écrit des choses et j'ai toujours eu envie de m'y remettre. Et, euh, et là, en fait, bah, tu vois, c'est pas forcément. en fait. Alors. C'est marrant parce que l'écriture c'est encore différent parce qu'il y a le moment où tu fais bon ok il faut que je me mette dans le contexte de m'y mettre mais une fois que tu te mets à écrire t'es dedans genre hier je me suis mis dedans j'ai écrit et genre c'était 20 heures quand j'ai commencé 23 heures quand j'ai fini les 3 heures je sais pas où c'est passé et puis même j'ai pas avancé comme je voulais je dis merde j'ai envie de continuer et tout je regardais l'heure je fais parculer putain mais ce qui me drive aussi ce qui me donne envie de le faire c'est que je me dis c'est qu'il y a des personnes qui vont lire tu vois et en fait, je suis tellement... Parce que j'ai l'idée, je l'écris, mais je suis tellement pressé, impatient, euh, curieux de savoir ce que les gens vont en penser, que en fait, c'est limite l'énergie qui me, qui me fait continuer et qui me fait écrire. Donc voilà, bon. Volet Allez, on passe oh, ils, sont, ils sont rouillés les volets. Euh, il est un peu rouillé celui-là. Parce qu'il était lourd, on, on y a passé trop de temps dessus. Alors, on va passer à l'étage. Ah... Euh... une de tes grosses passions je dirais je pense alors c'est euh... un peu paradoxal encore une fois parce que moi je suis quelqu'un de paradoxal j'aime les paradoxes ça définit la nature humaine <laughs> van parce que tu vois le bah, bref un être humain est paradoxal c'est oui. mais c'est ce qui en fait toute la couleur toutes les donc toute moi, la ma part, mon paradoxe sur James Bond c'est que j'adore le personnage J'adore l'univers, le, j'adore les films, mais je trouve tous les films, pas tous, mais quasiment tous les films, mauvais. <laughs> c'est qu'ils ah. pas mauvais, mais avec. Je, je, je les ai vus quand j'étais gamin. Les premiers James Bond que j'ai vus, c'était euh, GoldenEye, euh, tu avec Pierce Brosnan. Donc les James Bond un peu euh, des années 90. Je les ai pas vus. Euh, où le, le personnage est assez. Bah, Pierce Brosnan, c'est un très bon acteur, il joue bien. Euh, euh, et pas de souci, je les ai vus en VF à l'époque, mais si je les regarde en, v... en VO, j'imagine que c'est pas un problème d'acting, c'est un problème de, c'est un peu kitsch en fait. Ça vieillit très mal un James Bond, ça vieillit très mal. C'est le principe même du James Bond parce que un film James Bond, ça définit, enfin ça utilise les codes de la c'est ancré dans la réalité, dans une réalité instantanée. Un film James Bond, il va Goldeneye, voilà, c'était à l'époque fin guerre froide en 91 ou 80, ouais, 90 ouais 94 c est, c est contexte, a, vrai, ouais. ces années-là quoi donc c'était la fin de la guerre froide en, en, dans le vrai monde donc le mec qui a fait qui a écrit le film alors déjà il se base sur des vraies histoires de de de, de Ian Fleming des nouvelles euh, qu'il avait écrites et euh, qui n'avait jamais forcément mis en roman. Donc, c'est des bribes de machin qui, qui rassemblent. Et il le contextualise avec la situation actuelle. À l'époque, le modèle masculin, c'était le mec en costard, la classe, euh, George Clooney, machin. Du coup, il fallait un James Bond lisse, mais c'était pas péjoratif à l'époque. Classe et, et euh, la, la classe à l'irlandaise, quoi. Mm. À l'anglaise, peut-être même aussi. Avec un flegme. Et du coup, Pierce Brosnan a, 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 a incarné parfaitement le James Bond à l'époque. Mais quand tu regardes un second de Pierce Brosnan aujourd'hui, ça bah ça colle plus avec le modèle de, de notre monde aujourd'hui. Les méchants sont caricaturaux parce qu'à l'époque c'était vrai, mais plus maintenant. Et encore, c'était déjà peut-être un peu caricatural. Forcément, le Russe ou l'Allemand, enfin tu vois. Et c'est toujours caricatural. Et c'est aussi, c'est ancré dans l'époque. Mais ça surtout, ça met des, tu vois, typiquement les montres laser et tout ça. Parce qu'à l'époque, on se disait, bah oui, mais peut-être que dans 15 ans ou 20 ans, il y aura ça. Et donc, en fait, c'est toujours un peu rétro-futuriste quand tu regardes James Bond. C'est un peu. Euh, ouais, c'est un peu. Euh, les mecs, ils s'imaginaient qu'on allait avoir des voitures volantes ou des voitures invisibles. Donc, c'est toujours. Qui fait un le peu, charme, justement ça le, peut, le, ça, le, ça, le, Oui, c'est un charme. Ça peut avoir un charme, mais c'est que, du coup, ça paraît ringard. Ah, Et il y en ringard. a qui aiment les films un peu ringard. Enfin, euh, Attends, on va se diriger vers pas quelque du chose. <laughs> je ne parle pas du jeu d'acteur. Hein. Euh, tous les acteurs de James Bond. Joue bien. Euh, euh, moi, mon, celui que j'aime le moins, c'est Roger Moore. Je ne sais mm -hmm. pas si tu le connais. Il y en a. celui qui en a fait le plus. C'est euh, un James ouais, Bond très connais, mais... comique, très humoriste. Enfin, pas humoriste, mais très euh, dans le dans le second degré. Pourtant, j'aime ça, le second degré. Mais dans un James Bond, euh, ça passe pas pour moi. Enfin, il y a un truc qui va pas. Et... Mais c'est pas c'est pas mes James Bond préférés. C'est une connerie, l'acteur est emblématique. C'est une connerie. C'est c'est un dieu du cinéma. Mais pour moi, il y a un truc qui ne va pas dans, dans le. F... En tout cas, dans la vision du personnage de 2020. Ou d'un espion de 2020. Et en fait, ce qui m'a fait. Donc, les films, je les, ai, je les ai aimés. Je les ai tous aimés. J'aime bien regarder un James Bond. De... Ça fait un moment que j'en ai pas vu un, hein, pourtant. Et ce qui m'a fait un peu changer de regard sur le personnage, bah, c'est ce film, en 2006, mmh. où en fait le personnage repart de zéro. C'est-à-dire qu'il n'est pas il n'est pas espion. Enfin, il est, il est espion, mais il n'est pas encore double zéro. Ça veut dire qu'il est encore un peu stagiaire, on va dire. C'est très, très vulgarisé. Et les premières minutes du film, c'est son premier meurtre, enfin son premier assassinat en tant qu'espion. Et c'est ça qui fait que... Enfin, Ce n'est pas son premier, c'est son troisième exactement. Mais bon, bref, en tout cas, c'est là où il obtient le, le statut de... Oui, le permis de tuer, quoi. Mmh. Et... Et je me suis dit, mais en fait, c'est vrai qu'on ne se pose pas la question. C'est une origine story, en fait, du personnage. Et ça remet tout en question de ce que je voyais du personnage. Je me dis, mais en fait, c'est quoi un James Bond Et du coup, j'ai acheté des livres. Wow Wow bon, Tu as tout lu J'ai aussi le jeu de, le jeu de cartes euh, que j'avais acheté sur Internet. Mais c'est des livres -ce issus ouais, des films ou c'est quoi What C'est des, des romans de James Bond. Mais t'as tout lu Attention <laughs> Alors, je pas tout lu, non. Parce que, bah voilà, lire, c'est. Je sais même plus lesquels j'ai lus, lesquels je pas lu. C'est ça qui est triste. Mais mmh. je les ai depuis très longtemps. Hein. Lui, je l'ai acheté en 2000. Ils sont bien conservés. 2015, c'est le plus récent, lui, je crois. C'est moins... le moins beau. La couverture n'est pas très belle. Euh, le plus vieux, ça doit être. Euh, je crois que c'est celui-là le plus vieux. Lui, il date de 2000. 18 balles quand même. Tu hein. dis les prix ça n'a pas trop augmenté, Ils ont jauni les pages, elles ont jauni. 2008. Ah ouais. Donc finalement c'est assez ancien quand même. Et je me suis dit bah attends, je ne vais... comme je vais pas lire des Yann Fleming parce que les Yann Fleming ça se trouve quasiment plus euh... et puis c'est très c'est un langage assez euh... enfin c'est très c'est écrit de manière un peu spéciale. Ce que j'ai fait c'est que j'ai appris... j'ai pris des livres qui sont d'après Yann Fleming. Ça veut dire qu'en fait, les, gens, les personnages qui ont écrit, vois, incluant les, les notes de Yann Fleming, c'est-à-dire qu'en fait, les auteurs, ils se sont inspirés parce que Yann Fleming, il, est, il y a des héritiers, hein, il, y a des, il y a des gens qui touchent des, des, des royalties à chaque fois, qui... des filles, des petites filles et tout ça. et Donc, il y a des détenants des, des droits et donc il y a des gens de la famille Yann Fleming qui ont encore des notes de l'auteur, qui n'ont jamais été exploitées. Et donc, euh, des fois, tu as un auteur qui a, qui a le bénéfice, qui a le, le luxe d'avoir des notes et qui en fait un livre. Et du coup, qui a l'essence pure du personnage. Quoi. Il a dans les mains des notes qui décrivent comment est James Bond. C'est qui le personnage C'est quoi C'est quoi ses, ses, ses peurs C'est quoi ses, ses, ses défauts ses... Et en fait, alors comme je ne les ai pas tous lus en entier, je ne pourrais pas être très, très affirmatif à 100%. Mais globalement, ce qui en ressort, c'est que James Bond, c'est un personnage dépressif, alcoolique, qui n'aime pas les femmes. Enfin, qui n'aime pas les femmes. Il n'est pas homo, mais qui... Il a une peur des femmes, en fait. C'est-à-dire qu'il ne veut pas s'attacher aux femmes ouais. parce qu'il a été amoureux une fois hmm. et ça lui a fait mal. Et du coup, il a une carapace. Vraiment, une... il se renferme sur lui-même. Il se protège. Et enfin, tuer des gens, ça ne lui fait rien, en fait. D'accord. Donc, c'est l'expérience de son passé qui lui ont laissé des séquelles et qui fait que... Bah, c'est comme ça qu que je l'ai compris dans les quelques romans. Alors, j'en ai lu quelques-uns en entier. Je crois que... J'en ai eu 3 sur 5 en entier. Il y en a un que j'ai peut-être même pas commencé, je sais plus. Franchement, ça fait trop longtemps, il faudrait que je les reparcours. Mais euh, globalement, le personnage n'est pas du tout comme dans les films. Mmh. Pas du tout. C'est n'est pas un dragueur, C'est pas un... un... Il ne fait pas de blagues. Quand il fait des blagues, c'est contre son... Sans faire exprès, ou c'est parce qu'en fait, il est cynique, parce qu'il n'est pas... T as l'impression qu'il est... Ouais, qui subit un peu les situations. Alors attention, il y a des quand même des moments où il fait, il est, c'est pas non plus tout le temps, euh, il fait la gueule. Non, mais c'est juste que voilà, il fait, il a un métier, il est très professionnel et, et détaché. Et il a pas peur de mourir. Euh, donc c'est pour ça qu'il est, euh, il est un peu casse cou quoi. Mmh. Et du coup, bah, quand j'ai vu ce film, j'ai dit mais en fait c'est exactement ça le personnage. Dans ce film là, on comprend, il est, vois, il est fougueux, il veut faire, il veut montrer au, au service secret qu'il est, qu'il est fort et tout. Et puis il tombe amoureux de la fille. Et là, tout, tout se remet en question dans ce film. Ah. Est-ce que tu as eu l'impression de revoir en fait de voir le personnage que tu avais lu dans les romans ou alors justement de, de, de voir l'origine story, de, de voir ce que tu as lu mais en film Alors en fait, j'ai vu le film. Ah tiens, je t'entends plus. J'ai acheté les livres. Tu m'entends plus Ouais, mais c'est peut-être moi. Hein. Attends, ça doit être moi. Attends, ça doit bon, être C'est bon, je t'entends. Ça devait être J'ai euh, ouais. vu le film au cinéma j'étais enfin, comme un dingue parce que je me dis mais ce film d'action c'est ah pas ouais. un film d'action euh, bon pan 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 c'est hyper euh, déjà c'est bien, bah, bien filmé, c'est bien joué enfin, l'acteur pour moi je le connaissais pas du tout, il a joué dans un tu vois, il a fait quoi avant ça, il a fait euh, le méchant un méchant dans Tomb Raider, euh, il a fait euh, un... les sentiers de la perdition qui est quand même assez très qui est quand même très, très bien mais c'est pas un acteur qui était très connu en 2006 et euh, bah son interprétation du personnage, elle colle. Et donc après j'ai acheté les livres pour savoir, enfin euh, pas pour ça, je l'ai pas fait parce que je voulais étudier la philosophie du personnage, mais ça m'a donné envie d'en de, connaître plus sur pourquoi il est comme ça, pourquoi est-ce que c'est vraiment comme ça qu'il est dans les romans de Ian Fleming Et comme j'ai pris des romans qui sont inspirés des notes de Ian Fleming, je me suis dit bon, bah, ok c'est bon c'est c'est officiel, c'est lui qui colle le plus au personnage. Mais pas physiquement par contre, physiquement pas du tout, il est blond, euh, le personnage est brun dans les films, dans les livres. Euh, il est brun alors que là il est blond, donc physiquement il colle pas du tout, mais en tout cas sur la personnalité, en gros, ce qu'il aurait fallu, c'est un chaîne connerie pour le physique et un lui pour la personnalité et euh, le, le, la définition du personnage. Mais Daniel Craig, et pourquoi ils sont première fois qu'il prenait un James Bond aussi différent des autres, hein, je crois. Ah y avait des traits. ensuite, de... a réalisé. Ouais, ouais, c'est sûr, il, il était un petit peu atypique, je sais pas pourquoi ils l'ont choisi, ça, 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 ça restera secret. Hein. Euh, celui qui a fait ce film c'est celui qui a fait le premier film de Perse Brosnan le, qui a réalisé, donc le réalisateur de ce film est de GoldenEye de 1994, mmh. c'est le même réalisateur donc il a donc ce réalisateur a fait à la fois le premier film de Perse Brosnan et euh, X années après il a fait le premier film de Shin Connery. et c'est pas du tout la même vision c'est à dire que c'est pas que le réalisateur était mauvais à l'époque, bah c'est que les visions étaient les différentes, les mœurs étaient différentes et du coup bah, il a fait un, un James Bond différent et moi, c'est celui qui vieillira le moins bien, le moins mal, parce que il n'est pas dans la caricature, il n'est pas dans l'excès, il est il est comme il a été écrit. Mmh. En fait, la, la, la difficulté avec un, un truc qui est aussi vieux que ça, c'est que quand tu vas faire des films qui, qui, qui le et c'est pas il n'y a pas que de monde j'imagine qu'il y a plein d'autres personnages, romans, etc. Mais comme je suis pas très connaisseur, je vais pas m'aventurer là-dessus. Mais la difficulté, c'est de réinterpréter un personnage. Parce que quand tu vas le réinterpréter, tu vas forcément le calquer sur une situation actuelle. Alors que si tu te bases sur le personnage tel qu'il est écrit, bah c'est l'essence et donc ça ne vieillira pas. c'est ouais, carrément. Ça ne vieillira pas. Euh... Après, tu adaptes aussi. Bah oui, évidemment, les méchants de, de Casino Royale, c'est des terroristes. Donc c'est forcément euh, lié à l'actualité de l'époque. Mais le personnage ne, dé... ne dépend pas de cette actualité. Alors que là, il dépendait de l'actualité... Euh... La guerre froide, c'était les, les Russes contre les Américains. Donc les Anglais étaient au milieu. Donc ils pouvaient se permettre d'être un petit peu flegmatiques et tout. Ça marche plus aujourd'hui. Bon, après, il y a eu celui-ci qui est sorti en 2008. Quantum of Solace. Qui est... En fait, j'ai des belles boîtes. Hein. Mais c'est des DVD. Donc c'est un peu dommage parce que c'est des belles boîtes, je trouve. Oh, j'ai jamais vu celui-là Je pense que... Ah, bah, en fait, pour le te moins dire... bon Mais... avec Daniel Craig. Oh. Ah ouais Mais pour te dire, en fait... Le premier JazzBond que j'ai vu de ma vie, c'est le premier euh, avec Daniel Craig, c'est Casino Royale. Et après, j'en ai vu deux autres. Tu l'avais trouvé bien Bah, j'ai trouvé long. Je <laughs> l'ai trouvé bien, mais j'ai trouvé long. Par contre. Euh... Ça m'a fait aimer le poker. <laughs> mais autour de. Il y, y a eu Skyfall, et il eu... y en avait eu un autour, avant ou après, je sais plus. Je te les montrerai après. Ok. Bah, en tout cas, celui avant ou après Skyfall et Skyfall. Et surtout Skyfall. En fait, je crois que Skyfall c'est mon préféré. Ouais. Elle, c'est la, la le James Bond girl dans Casino Royale, donc c'est une française, hein, Eva Green. C'est la meilleure James Bond girl. C'est, c'est pas une, c'est pas une fille nunuche, la caricature de du modèle féminin qui va utiliser de ses charmes. Tu vois, ouais. c'est même lui qui lui demande de mettre une robe à un moment au poker au casino pour. Attirer l'œil des hommes, c'est peut-être un petit peu le seul truc cliché de macho de, de, du personnage, mais c'est stratégique. C'est même pas parce qu'il veut mater ses seins, c'est stratégique. C'est pour que les autres soient détournés. Et elle le fait à contre-coeur. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que ces personnages, ils sont euh, ils seront intemporels. Parce que les femmes fortes, il y en a toujours eu. Alors que les femmes pain bêche en bikini, parce que ça n'existe pas en fait. Ça n'a jamais. Enfin, c'est cliché. Bon, bref. Je vais arrêter de, mmh. de parler de, de ces deux films, de ce film-là. Et donc, Quantum of Soleil est sorti en 2008. Et le problème de ce film, c'est que le scénario, il... il est un peu bizarre. Parce qu'il faut savoir qu'à cette époque, il y avait eu, et c'est la seule fois où que ça existait, la grève des scénaristes. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais en 2007, 6 et 7, donc à l'époque où il est en train d'être écrit, et donc fin 2008, ça s'est terminé en 2008, les scénaristes des studios américains. Je sais, pas pour, je sais pas pour quelle raison, ils ont fait grève. C'est-à-dire qu'ils ont pas fait grève comme en France, où c'était un préavis d'un jour et ils vont manifester. Non, non, ils ont dit, écoutez les mecs, on arrête et on se casse. Et ils ont pas travaillé pendant des mois entiers. Et donc, ceux qui avaient commencé à écrire le truc, ils se sont barrés. Et donc, ceux qui ont écrit le scénario, la fin du scénario, qui ont essayé de faire un truc cohérent, c'est le réalisateur, qui, qui est pas censé écrire... Enfin, ça peut être le scénariste qui, qui fait le film, mais souvent, il y a des scénaristes à côté, quand même. Le réalisateur, donc euh, un Suisse, Mark Foster et L acteur c'est Daniel Craig, a écrit la fin du scénario. Putain, donc un... ça se voit que c'est pas. C'est bien, hein c'est un film d'action, c'est vraiment un film d'action. C'est un Jason Bourne. En fait, c'est un film d'action voilà, très cadencé. Il dure 1h40 alors que quand lui il dure 2h20, tu vois 2h... 2h30, il dure. Ouais. C'est l'histoire, elle est condensée. Film d'action, paf, paf, paf. Euh, acte 1, acte 2, acte 3. Et puis on, on enchaîne les, les scènes euh, spectaculaires. Donc c'est un James Bond efficace, mais le scénario est beaucoup moins creusé que Casino Royale d'avant. Et attends, que, que Skyfall on commence à plus me voir là. dans ben, compte on que me je parle mieux. beaucoup trop. Hein. <laughs> Il est déjà 23h quasiment. Oh purée En plus, bon, on n'a même, même pas passer par les Star Wars. Non mais Star Wars, j'ai pas grand-chose à dire. Les gens connaissent ma collection Star Wars et je bon, on, on pourra passer à... rapidement. C'est vrai. Je, je suis plus content d'ailleurs. Euh, prendre le temps sur ces genres de choses tu vois euh, qui bah oui, te je représente je toi parce que mmh. ouais. que j'en parle pas <coughs> beaucoup sur le, le discord donc je disais euh, quand Tomb of Solace le scénario est moins bien que quand Casino Royale c'est un très bon film mais il est moins le scénario au niveau de l'action c'est très bien au niveau de l'histoire c'est moins bien écrit que Casino Royale et surtout que Skyfall le suivant et oui. 2012 euh, j'ai un steelbook hein, en métal attends fais, fais alors, voir l'arrière fais, hein. fais voir l'arrière de... c'est la fameuse bagnole euh... ouais c'est ça la DBS moi il y a ah une... oui j'aime James Bond aussi parce qu'il y a Aston Martin évidemment ah. les plus belles il y, il y a une scène monde. qui m'a marqué dans... mais est-ce que c'est dans celui-là je ne suis pas en train de me gourer avec un autre je sais plus il y a une scène qui m'a marqué je crois que c'est dans Skyfall c'est le moment sont... c'est vers la fin je crois c'est quand ils sont dans une espèce de cabane perdue au milieu de ouais c'est ça ouais, je sais pas pourquoi elle m'a marqué cette scène vraiment bah, parce que c'est pas James Bond c'est pas James Bondien entre guillemets c'est pas c'est pas quelque chose qui est visuellement dans les codes de James Bond j'ai des petites cartes avec ouais, ouais. des affiches avec les personnages enfin bref c'est dans Skyfall aussi où, où, où genre il se prend une balle et puis il tombe carrément dans un pont et tout ça où il est un au point ouais, bas. Ouais, il est. En fait c'est ça. C'est bah tellement différent. Personnage. Ce film. Et même Bond le pas. méchant il est super charismatique et tout ça. Enfin j'adore. Alors le méchant c'est Javier Bardem. Qui est, il, joue... il est ouf ce méchant. Enfin c'est même pas un méchant c'est un fou en fait. Un fou ouais. Et un, il veut se venger. Et en fait c'est hist... c'est même pas un James Bond en soi. C'est c'est un film où ça pourrait être des mecs qui se vengent, qui veulent se venger. Qui... C'est le, le passé qui rattrape le personnage. Et c'est Sam Mendes qui l'a réalisé, donc c'est lui qui a fait Les Sentiers de la Perdition, est très, il est très orienté sur l'histoire, Sam Mendes c'est quelqu'un qui, qui travaille beaucoup sur le, la réminiscence des choses qui reviennent, tu vois, c'est ton passé va te, toujours te rattraper, donc, euh, et c'était dans Les Sentiers de la Perdition, c'est ça, là-dessus c'est ça, mais c'est dans l'univers de James Bond, donc euh, ça colle parfaitement au personnage de Daniel, James Bond par Daniel Craig de Casino Royale. Quantum of Solace, le personnage évolue pas beaucoup en fait. Mm. C'est-à-dire que dans Casino Royale, c'est là où il évolue le plus. Il devient espion. Il est dévoué pour la, son boulot. Il tombe amoureux. Il est déçu. Il devient le personnage qu'on connaît dans les livres. Pourquoi il est aigri comme ça Aigri et, mm. et pourquoi il, il fait confiance à personne. Dans Quantum of Solace, il continue de faire confiance à personne, mais c'est est la suite. En fait, Quantum of Solace, c'est la suite directe de Casino Royale c'est comme si c'était un seul film c'est pour ça qu'il n'y a pas d'histoire en plus dans Quantum of Solace je les reverrai d'une autre manière je crois du maintenant personnage. que tu me dis tout ça euh... parce que je ne connais pas vraiment en fait tout le lore de... mais maintenant que tu m'as dit ça je savais même pas en fait que c'était une origin story et tout euh... pour moi en fait je vais te dire comment j'ai toujours vu les, les James Bond c'est au bout d'un moment il y en a un qui devient vieux alors on refait un James Bond mais un James Bond sur un autre ben en fait, là où je comprenais pas, c'est qu'à un moment, c'était comme ça avant, ouais. Ouais, mais tu sais, ça se ça suit pas, ou alors, en fait, à chaque fois que tu as un nouveau, ça revient au début. Ou mais je sais pas, tu vois, c'est comme par exemple dans celui avec Daniel Craig, bah il a une, il a la, je ne pas, je vais pas être grossier en disant la vieille dame, mais ouais, M. M. Bon, tu vois, dire tout le monde dit ouais, bon, la connaît, c'est sûr, mais est-ce que M. Elle est dans d'autres James Bond Est-ce que tu vois, ça qui alors c'est ça la particularité, oui, c'est que. Dans Casino Royale, ils ont repris la même M, la même actrice que dans les deux derniers. Euh... Non, M, elle a, elle a fait tous les James Bond de Pierce Brosnan, donc elle en a fait quatre, et elle a continué à faire M dans Casino Royale. Donc en fait, ils ont reboot le personnage de James Bond, mais pas de M. Mais après, il faut oublier ce qui. En fait, c'est pas grave, c'est elle, mais il faut oublier. C'est comme si c'était un, un multivers, quoi. Et elle, est commune au multivers. C'est voilà, comme ça. C'est. Ouais d'accord. Non mais bon. c'est la même actrice mais c'est pas la même personnage. Mais c'était ma manière dire, de dire comment je voyais les euh, les James Bond et en fait maintenant bah, limite euh, avec ce que tu me dis j'ai limite envie de me refaire un truc c'est en euh, risettant tu vois remettant à zéro mon mon, mon mon cerveau en disant ok vas-y je commence Casino Royale, Quantum of the Lake, ce que j'ai jamais vu et puis euh, du coup après je, je dire, foule, etc et je, je pense que je les verrais d'un autre œil. Oui. Ouais. Peut-être que ça pourra t'aider mais je le considère moi comme Attends, je vais d'abord terminer sur Skyfall je après ma conclusion. Donc Skyfall, la particularité de ce film, c'est que c'est pas un film d'espionnage. Il y a des petites scènes d'espionnage au début, mais il... c'est plus un film de. Ok, il est, il est déchu parce que bah, il... On croit qu'il est mort, il est tombé du pont. Voilà, voilà ça c'est le début, c'est pas un spoil. Euh, et après, qu'est-ce qui se passe Bon, bah il, il est, rap... enfin, il a son, son devoir, son patriotisme qui revient vers lui parce qu'il voit des choses qui se passent aux infos et du coup il dit ok je vais quand même aller revoir la mémé là bah, sa patronne qui finalement, il y, y a quand elle qui fait confiance Il n'y a que en cette personne qui fait confiance et en Q aussi, le jeune intello qui fait les gadgets, enfin les gadgets les, la techno quoi et il n'y a que ces deux personnes là qui fait confiance, en tout cas jusqu'à ce film là et, et du coup il, il revient un petit peu vers eux, comme si c'était sa famille finalement et le film s'oriente sur une histoire personnelle. De, bah, il va protéger ses personnes. C'est surtout la, la, la M. Il va la protéger parce qu'il y a le méchant fou qui veut venir euh, la désinguer. Ah ouais. Donc, c'est même plus une histoire d'espionnage où il doit en, en arrêter un méchant, un méchant terroriste pour sauver le monde. Non, non. Il doit arrêter un fou qui veut tuer sa patronne. Tu vois, ça devient complètement une histoire personnelle. Mmh. Et c'est dingue parce que c'est un huis clos psychologique. C'est pas un huis clos physique, mais c'est psychologiquement, ça tourne autour de ça vraiment. Et c'est j'ai adoré ce film mais c'est c'est pas un James Bond enfin tu vois un... j'ai adoré ce film mais c'est pas le James Bond que je préfère en tant que James Bond parce que c'est moi Casino Royale c'est le meilleur James Bond hmm, ok lui ouais. c'est le... un très très bon film un... franchement il mérite son Oscar il y a eu quelques Oscars je sais plus sur quoi d'ailleurs la musique sûrement ah bah la musique de la photographie ah comment elle s'appelle Adèle ouais. Adele, ouais et la photographie aussi qui est très très écossaise très terne donc c'est un très très bon film mais il y a pas les codes de James Bond donc du coup tu te dis euh, bon c'est comme je dirais voilà c'est un très bon un très bon jeu mais c'est pas un bon Assassin's Creed là c'est un très bon film c'est un bon James Bond parce que c'est le bonne personne le bon personnage la bonne incarnation mais il y a pas de mission tu vois Dans James Bond il y a toujours une mission tu vois, y a toujours un... là il y a pas de mission hein. et puis le dernier attends c'est lequel déjà Spectre ah mais oui Spectre et oh oui. donc qui est la suite finalement de Skyfall parce que c'est finalement Spectre unifie les trois anciens films et c'est ça que j'aime bien. Le seul défaut de Spectre, pour moi, c'est que il manque d'ambition. Je m'en souviens moins. Mais je, je l'avais apprécié, mais je m'en souviens moins. Vraiment, en Skyfall, ça restera la pierre angulaire. Pour moi. Il manque d'ambition. Alors, pas dans le visuel, mais dans euh, le visuel. Il est magnifique ce film. C'est Sam Mendes encore. Et hein. lui, là, il fait des plans euh, toujours magnifiques. Mais il manque d'ambition sur le. Ils, ils ont voulu faire de... refaire un Skyfall. En remettant du James Bond par dessus, avec une mission, avec une course poursuite et tout ça. Mmh. Sauf que ça marche moins bien parce que bah une course poursuite euh, en Aston Martin c'est toujours stylé, sauf que quand tu roules à 30 km heure dans Rome c'est un peu moins stylé tu vois ouais, je me souviens. Donc la scène est, un... tu vois, elle manque un peu de dynamisme et tout. Bon, c'est pas, c'est pas un moment. J'adore ce film. Hein. J'adore les quatre films avec Daniel Craig, mais j'attends vraiment du prochain parce que ça va clôturer cet arc. Et c'est ça l'avantage de c'est amants, une... c'est une... un arc narratif des cinq, les cinq films sont liés. D'ailleurs, Spectre, bah, c'est l'entité qui affronte James Bond dans tous les James Bond, sans jamais savoir pourquoi. D'ailleurs, là, on sait pourquoi. Le chef, le méchant qui est derrière, qui est enfin, le Blofeld, donc le chef de Spectre, il est dans ce film. Il explique pourquoi. Il veut, il est toujours là derrière James Bond. Quoi. Bon, il y en a qui ont pas aimé l'explication. Moi, j'ai trouvé ça... Encore une fois, c'est tourné tourner vers la famille, vers le... les... les origines, le passé. Parce que c'est Sam Mendes et c'est une interprétation des romans et c'est pas du tout l'histoire de qui est écrite par Ian Fleming, hein, mais c'est une... adapté quoi. Moi j'ai bien aimé. Et le prochain que j'attends avec impatience. Ouais. Comment il s'appelle No Time to Die. Ah, en, en français le titre est pourri. Hein. Mourir peut attendre. Vrai. En, en anglais c'est No Time to Die et c'est réalisé par un, pas de temps pour moi. Réalisateur. Hein. Ouais pas le temps. Ouais. No to... ouais. C'est pas le moment de crever quoi en fait. Pas le moment de crever. En ouais. gros, ça veut dire ça. c'est Pas vrai. le moment de mourir. Et du coup, euh, bah, mourir peut attendre. C'est ouais. peut-être plus français que mourir. C'est pas le temps de mourir. Euh, c'est réalisé par Kari Fukunaga, donc qui est un réalisateur que je connais pas du tout. Il a fait un épisode de Breaking Breaking Bad. Possible. Non. Possible. J'ai plus. Euh, je ne connais pas du tout les séries. Le... J'ai vu juste l'épisode en question où il a tourné. C'est un plan-séquence, l'épisode en entier. 20... Il y a 20 minutes de plan-séquence. C'est hyper dynamique comme façon de filmer. De ce que je... de ce... Du peu que j'ai lu de lui, c'est un réalisateur qui a une... une patte. Tu vas voir tout de suite que c'est lui qui réalise. Quand tu connais ce qu'il fait. Très dynamique. C'est un peu un DJ Abrams. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des caméras euh, pff, comme ça. Euh... Euh, plongeante, euh, ça peut être assez nouveau finalement, alors que Skyfall et Spectre, c'est très. Eh, tu vois, Sam Mendes c'est très contemplatif, etc. Donc, euh, et ça colle à la fin de, de son arc, en fait. C'est la fin de son arc, donc ça va être ouh, un manège dans tous les sens. Le film va durer 2h42, je crois. Donc c'est le plus long, James Bond de la saga. Et la musique sera faite par Hans Zimmer. Donc c'est le summum de ce que j'aime. C'est James Bond, Hans Zimmer et il sort je mets Star Wars à côté hein, parce que c'est et il sort en... logiquement le 8 octobre alors le 6 octobre en France il faudrait que je me fasse genre un marathon avant avant le j'espère qu'il pourra se faire des débats et qui sera et j'espère qu'il sera pas mis sur Prime parce que va pas va parce que Amazon vient de racheter la société qui produit les James Bond oui. MGM donc le lion là qui rugit Mmh. Euh, 9 milliards de dollars à peu près, donc euh, si le mettent sur Prime, ça me frichait parce que, alors au moins pour celui-ci, faites-le au cinéma celui-là et les autres on verra, mais au moins terminer la saga. Après Daniel Craig est producteur de tous ces films, il a beaucoup d'argent Daniel Craig. Après si vous voulez, si tu veux les anecdotes de Daniel Craig, enfin moi je les connais par cœur, mais ah ouais. je connais pas son salaire pour ce film, mais il... c'était un noob entre guillemets. Tiens, on va te prendre, on négocie et puis. Je sais, que la, je sais que la productrice Brocoli, euh, elle... c'est un peu la Kathleen Kennedy de chez, de chez Aeon Productions, donc euh, la société de production en dessous d'MGM, c'est Aeon, donc c'est eux qui produisent ce film. Et euh, cela, c'est distribué par Sony. Le prochain est distribué par Universal. Donc c'est un, un nouveau contrat à partir du, du prochain, c'est Universal, c'est plus Sony. Ça change pas grand-chose, c'est juste la pub hein, qui est et le financement. Mais euh... et du coup ce que je veux dire c'est que Brocoli elle aurait eu un coup de cœur pour cet acteur qu'elle le suivait depuis longtemps donc elle a dit bah moi je veux lui ou quand il est venu elle a dit bah oui bah, je le connais je veux mais personne ne le connaissait il a commencé à prendre du galon quand il a écrit le scénario parce que finalement il a fait un carton box office et à partir du moment où il est devenu producteur de la saga il avait signé pour cinq films à la base, il a fait celui-ci et après il voulait arrêter mais ils ont dit ouais mais t'as signé pour cinq, mon pépère il a dit ok mais dans ce cas là je veux être bien payé. Et pour ce film, il a touché 200 millions de dollars avant même de tourner le film. C'est-à-dire que c'est juste un cachet non. de je te, je te loue pour faire le film. Quoi. Et après, il a touché les royalties associées aussi. Donc, ils se sont payés 200 millions de dollars, l'acteur, parce qu'il voulait qu'il termine son... Mais tant mieux, parce que franchement, c'est clairement ce qu'il faut faire. Et là, pour le prochain, je ne sais même pas combien ils ont payé, mais... Hmm. parce que le prochain lui c'était censé être son dernier après même qu'il avait dit que oui, c'était son dernier c'est ça c'est ce que j'avais entendu moi ça, ça fait deux fois que c'était son dernier moi j'avais entendu mais ça. parce que moi je pense qu'il dit toujours ça parce qu'il y a aussi le, il veut faire monter les enchères mais il y a aussi le fait que pour lui vraiment c'est éprouvant hein. Enfin, il s'est pété le, la cheville il a quand même plus de 50 ans il s'est pété la cheville, il fait ses cascades lui-même, c'est pas comme les anciens acteurs, c'est un peu le Tom Cruise de James Bond, quoi. Vraiment le... il fait des acteurs tous... ses cascades tout seul, il met de l'argent dans les films, donc bah, faire un film, un... si es dedans, bah, il est producteur, donc il remet de l'argent de sa poche, enfin, c'est tout un engagement, il voit pas sa fin, il, y a, il y a des enfants et tout, donc c'est pas que pour l'argent, Il faut arrêter de dire ça. Là, s'il fait le prochain, je pense que c'est pour clôturer son arc, et euh, c'est parce qu'à mon avis, il s'entend très bien avec la, la, produc la productrice. Mmh. C'est donc euh, voilà moi j'adore l'acteur pour moi oui, c'est un il est, acteur il est très bien euh, oui. actuel je pourrais pas le comparer aux autres mais il est très bien et ses autres films sont très bien hein. pas, il fait pas que James Bond hein. les couteaux tirés de Ryan ah, Johnson les couteaux tirés, il est très très bien aussi et du coup j'ai racheté On roman faire ça aussi Cocktail James Bond donc c'est la recette des cocktails James Bond hein. de, tout, dans, de tous ah, les films as dit... ah mais t'as dit d'accord <laughs> genre t'en as fait déjà moi, mon préféré c'est le Vesper Martini. Il montre. Bah ben, ne je, je sais pas si j'ai je te dis que le livre je l'ai pas trop feuilleté mais c'est le, le Ah tu veux ah, pas, pas voir l'intérieur Ah ouais. Vas-y tiens, il nous qu'il dedans. Il qui boit dans le Casino Royale. Trois mesures de Jane Gordon, une mesure de Alors il dit pas vote, je sais plus comment il le dit en VF. Mais un, je ne sais pas si tu viens dans casino royal, il invente un cocktail en fait euh, pendant qu'il fait ça. Il, il joue au poker et il lui dit qu'est-ce que vous voulez. Et il invente une recette. Et il dit euh, trois mesures de Jean Gordon, une mesure de vodka, une demi-mesure de Kina un zeste de citron coupé très fin. Euh, il ne dit pas le contenant. Euh, et il dit, euh, il dit euh, shaker, euh, tout ça shaker euh, très frais ou truc comme ça. Je ne sais plus comment il le dit, mais bon, bref. Et il invente cette recette et il goûte et il fait c'est pas mal. Euh, un peu amer, je vais l'appeler Vesper. Vesper, c'est le nom de, sa de, 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 de la fille qui est un peu enfin, qui est amoureux, quoi. Et je l'ai goûté ce cocktail, est très amer. C'est ouais. bah, vodka gin, faut y aller quoi. Et le, le, la petite mesure de lillet. Donc le lillet, c'est un, un vin français euh, qui vient du un vin cuit en fait, un, un vin cuit à, à, aux oranges, enfin cuit avec des fruits marinés. C'est des des zestes d'orange Donc c'est c'est sucré, mais t'en mets tellement peu que finalement tu le sens quasiment pas. Mais c'est ça, ouais, ça, je sais pas, c'est bon. Mais faut aimer l'alcool, pas pour se bourrer la gueule, mais pour le, le saveur, quoi. Enfin, moi, je, je saurais pas du tout voilà. parce que au, au, je ne connais aucun de tous ces ingrédients. Après, j'ai racheté ça récemment. C'est la trilogie Quantum, euh, Casino Royale, Quantum of Solace et Skyfall. Et je, je l'ai acheté pour avoir Casino Royale et Quantum of Solace en blu-ray, parce que je les avais qu'en DVD. Donc, je les ai achetés en blu-ray. Et donc, Skyfall, je l'ai en double. Okay. Mais je vais garder, le... Ouais. Je vais garder ça, là, le books parce que sinon, euh, ceux-là, c'est des boîtes de Blu-ray classiques. Euh, mm. C'est comme ça, là. Ah ouais d'accord. Bon. Ça, je ne vais pas l'ouvrir plus que ça. Et après, j'ai des livres, des beaux livres, on va dire. Ah oui, donc là, c'est un peu... Ouais, OK, des concepts... Enfin, des concepts... C'est ouais, des... autour de James Bond. Ouais. Mais... Tout l'art de... Euh... Enfin, moi, ma voiture préférée, si, je devais si un jour je gagne au loto, j'achète un, une voiture, une Aston Martin, c'est sûr. Je ne sais pas où je la foutrais. Je ne sais pas où j'irai avec parce que je ne me déplace pas en voiture. Mais il y a une voiture. Enfin, Franchement, il y en a une. C'est celle de Casino Royale, encore une fois. Mais dans, dans, lucide, 20 ans, tellement... dans 20 ans, on fait euh, votre collection. Tu me montres ton as Aston Martin dans le garage <laughs> qui ne bouge pas, mais qui est là pour Alors, la collecte. Ouais, c'est 300 000 euros et. Et c'est cher, mais oui de toute façon il y a plein de voitures qui coûtent cher, mais ce qui est ce qui est fou voilà c'est celle-là. Ce, cette image elle est tellement belle. Ah ouais quand même. Oh, je sais pas. Quand même. Alors elle est à la fois sportive mais pas trop, elle est elle est rassée, sais pas, j'adore. Et, et tu vois je préfère l'autre celle que celle-ci, celle-là je l'aime moins tu vois. Bon. Ah, je suis pas trop en. Mais c'est surtout l'essence, l'essence ça consomme mais c'est un gouffre, c'est 24 litres aux 100 km Là où ma mère a sa voiture, c'est 5 litres au 100 km. Tu vois enfin, 5, 6, 7, 8 litres au en général. Pas mais... très écolo. Quoi. Mais là, ils sont en train de faire des Aston Martin électriques. Mmh. Et même, mais en électrique. Et après, je encore deux plus cher. La BD, une BD que j'ai achetée. Alors, je ne suis pas fan du tout du style. Mmh. Mais il y en a d'autres. Hein. Je ne les ai pas achetés parce que je n'ai pas aimé. Je n'ai pas accroché. Euh, ça ressemble. Enfin, c'est bizarre, je trouve bien bon en BD, ça, ça fait bizarre. Ouais, c'est encore... très violent par contre. Hein. Ça va, ça, ça très fait violent. Mmh, ça va encore. Je vais vous montrer une scène euh, assez violente enfin, je, 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 parmi tant d'autres. Hein. Ouais. Genre, euh... faut que je la retrouve parce que je viens de l'ouvrir. Bah, genre, tu vois, quand il tire dans la tête, quoi, c'est ah ouais, quand même. Ah ouais, c'est pas mal le démembrement. Et c'est Jazz hein, c'est pas des méchants. Est-ce qu'il y a euh, une mention Peggy18 <laughs> le... Peggy18. Euh, je sais. Non, bah, pas sur les BD. Hein. Mais genre, euh, ouais. Euh... Jazz qui tue de sang-froid, quoi. Ah ouais. Ah ouais, quand même. Limite, sur l'image du pays, passe pour le méchant. Hein, ouais c'est ça c'est un peu Hitman en fait j'ai pas accroché à... enfin je trouve que... bon après je... peut-être que je m'y replonge parce que maintenant que je suis plus habitué aux BD euh, aux comics plutôt pardon Bruce euh, peut-être que ça me plairait mieux mais bon voilà j'ai pas acheté les... les cinq autres le dernier c'est c'est mon encyclopédie voilà, euh... bon, on va faire ça aussi classe c est... C est... Sur les, taux, les lieux de tournage. Ah ouais, tout l'histoire secret. Jusqu'à Jusqu'à quel Les euh, jusqu jusqu acteurs. Alors, je sais pas. Que... Bah, en fait, c'est pas, pas classé par année, c'est classé par thématique. Les véhicules. Le mmh. rôle. Donc je pense que ça parle de Daniel Craig, mais ça doit s'arrêter en. Bah de toute façon, c'est pas compliqué. On va regarder l'année de parution du livre. Il est sorti en 2000. En 2008, donc c'était juste avant Quantum of Solace Donc euh, ça s'arrête à Casino Royale. Ok. Donc ce que je voulais dire sur ma conclusion, si tu veux te mettre dans. Si tu veux re revoir les films, ouais. il faut dire que ça, c'est le canon. Et tous les autres James Bond, c'est le Legend. Et ce sera beaucoup plus facile pour toi de d'assimiler les choses. Ça veut dire que tout ce qui et se passe avant, ça n'a pas de lien les uns entre les autres. Ouais, parce que ça a été un reboot, quoi. Ça un reboot. Casino Royale, oui, c'est un reboot. Ok. vais juste montré cool. ce Steelbooks. Là, c'est un jeu PC que j'avais eu en, en Steelbooks. Quand ah ouais. Reflet, mais... Classe. C'était quoi C'était pourquoi c'était pour le jeu, ça Pour le Ah non. Ouais, c'était le jeu. Oh. De Skyfall, ouais. Peu de poussière, mais bon. Bon, lui, je vous le présente plus. Vous l'avez, vous avez l'habitude de le voir. <laughs> we'll be with you always. Notre cher euh... Obi -Ban. Euh, Avant d'aller dire ton Jésus, ton mon Dieu. Alors, ouais. C'est mon... mon personnage préféré de Star Wars. Enfin, un de mes personnages préférés, parce que bon, mon classement évolue à chaque fois, mais en tout cas, c'est lui qui, quand je pense à Star Wars, je pense à Obi-Wan. Voilà. C'est beau. En tout cas, c'est mon Jedi préféré. Après, les personnages, il y en a plein. J'adore Chewbacca j'adore R2D2, j'adore tous, tous, ils sont tous bien. Mais euh, ouais, le... la puissance... Euh, au mais pas brut, la puissance hmm. euh, philosophique on va dire ouais. donc j'ai commencé par les objets parce que les livres je pourrais les montrer tous les livres hein, mais j'ai les blu j'ai les films et tout ça vous, vous les connaissez vous les avez tous ça sert à rien ouais, montre ce et que tu as, as envie de montrer ouais. les cartes euh, qui sont très jolies il hein. y en a quelques uns qui les ont aussi sur le discord c'est des cartes ouais, je de jeu je classiques avais... mais euh... ouais je les avais vu passer euh... Il faut combiner. Ah ouais, très sympa. Euh... C'est surtout les As qui sont jolis parce que les autres, c'est des cartes normales, tu vois. Et, mmh. les as... euh, et les As, les, et les, les têtes, tu vois, là, c'est Han Solo pour le valet. Mmh. La princesse Leia pour Laisse la queen. Léa. Et le king, c'est <laughs> Obi-Wan <laughs> Donc les cœurs, après, euh... attends, je vais le faire à l'endroit parce que sinon, je vais pas y arriver. Les jokers, c'est eux. Alors, je sais pas si c'est un message caché. Ouais. Ah ouais, tiens, c'est bizarre ouais. Après, voilà, l'as de pique, c'est le X-Wing. Mmh. C'est vrai qu'ils sont classes. À, à ton avis, c'est qui le, 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 le valet le, le, care, j dire, le valet de trèfle, le pique Ça, Tu me parles juste du personnage qui incarne le valet. Un indice, c'est censé être un méchant. Oh, euh, Hux Non bon, De toute façon, il y a tellement de personnages qu'on va passer les euh... heures, mais... Ah, euh, d'accord, Boba. Bon, on, va faire, on va faire la reine. La reine, c'est simple, parce que la reine, il n'y a pas beaucoup de femmes dans Star Wars, donc ça peut aller vite. La reine de trèfle de pique, pardon. Pas de mai Ah non, mais la reine, tu dis Oui, bah. Ouais, si, oui, c'est ça. Oui, pas de mai, oui, c'est ça. La reine de pique. Attends, je me suis mélangé les pinceaux. Hop, il y a deux cartes qui sont, sont barrées, parce qu'elles sont hyper euh, lisses. Je les ai jamais utilisées. Le roi de pique. Afficher la couleur, ça va t'aider. Euh, je sais même plus ce que c'est. Euh, c'est noir, non Pique, c'est ça. Et je sais pas. Euh, j'en sais rien, moi. Euh, Palpat, j'en sais rien, moi. Attends, ah oui, Bevador, mais putain. Bon, après, voilà. L'as de l'as de Caro, c'est euh, le, le, le Slave One. Ah ça ouais bien, mais... mm. Après, bah, du coup, voilà. Euh, le Valet de Caro, c'est Lando. Mm. Tu sais que moi je suis juste à la bataille aux cartes. <laughs> la reine de carreau, Elle est belle. Hein ah, Rey. Et le roi de carreau aussi, il est beau. C'est euh, Luc, mais en plus vieux, non C'est Luc, épisode 8. Ouais, voilà, c'est ça, Luc, l'en plus vieux. Ouais. Ensuite, j'ai le roi de trèfle. Bah là, du coup, pas le patte la reine de trèfle Matma et le valet de trèfle alors c'est un petit peu dommage pour lui je trouve ah ouais tiens Ben voilà voilà non oh, sympa et donc classe de trèfle c'est un TIE Fighter le TIE Fighter de Vador cool je crois bon voilà je vais pas te faire le Non, mais ça fait le... des belles petites pièces parce que c'est les mêmes mais en rouge Là, elles sont elles sont couleur bleue derrière parce mmh. que c'est le pouvoir lumineux j'ai les mêmes jeux de... le même jeu de... ah non les mêmes jeux de cartes mais en rouge c'est à dire que c'est les mêmes cartes mais avec le dos rouge quoi d'accord je vais les laisser ici pour pouvoir sortir les livres donc j'ai tous les blu-ray alors c'est ça que c'est un... un peu compliqué mes blu-ray parce que c'est pas très cohérent euh, ah ouais. j'avais les anciens voilà je les ai sortis tout à l'heure anciens DVD de l'époque hmm. donc c'est des DVD hein, c'est pas c'est pas de la haute définition et pareil pour la trilogie originale avec okay. la boîte et les, les, les même si je trouve que les boîtes sont jolies tout ça c'est DVD des DVD ouais les boîtes sont jolies ouais, ouais sympa ouais elles sont bien conservées en plus donc donc ça je vais je les ai mises en vente sur le bon coin ah ouais ok parce que j'aime pas je garder sou... les choses que je, je me souviens de ceux que j'ai bah on va voir si tu si tu as les... un que, que j'aime moi alors ça c'est les DVD que j'ai du coup vu que j'ai acheté putain pourquoi ça rentre plus le pire c'est que, les... le... Ah, le que les miens mien, ils sont en fait. encore sous disque <laughs> avec Disney plus c'est ça le risque quoi c'est que tu enfin, moi je regarderai à mon avis pas ils sont en 4K sur Disney plus il me semble mmh. donc je vais pas chercher euh, les... à ouvrir le, la boîte mais ouais. moi j'ai l'objet quoi donc du coup j'ai acheté, acheté celui-là en 2015, le premier Blu-ray Star Wars que j'ai acheté, mmh. Réveil de la Force. Donc c'est le... le steelbook euh, que moi j'adore. Hein. Ouais, c'est celui-là que j'aurais dû acheter, parce que pour les, pour les suivants, euh, en fait ça ne correspond pas aux six premiers que j'avais. Je suis trop con. Mais c'est pu... du 4K. Ouais. C'est du Blu-ray normal. Et ensuite j'ai acheté Rogue One. Je ne suis pas fan de la boîte. C'est ah, pas un steelbook. Bah, je crois que j'ai le même. Mmh. Et c'est pas de la 4K non plus. Ensuite, j'ai acheté mon préféré. C'est le lait Le 8. Euh, épisode 8. Qui est... La boîte est magnifique aussi. La boîte. Superbe. Ouais. Putain, je... là, là, Faut que, que je ceux-là. Là. Ça, je garderai une logique avec ce que j'ai. Là, c'est la 4K. Et du coup, j'ai enchaîné avec la 4K sur Solo. Mais c'est encore une fois pas la même boîte. Tout est des... En fait, tout est dépareillé. Ouais, c'est ça qui Mais c'est de la 4K. J'ai plein, de, plein de, de, de CD dedans. Et après, j'ai acheté, épisode 9, en 4K aussi, le Steelbook. Mmh. Donc en fait, le plus cohérent que j'ai, le j'ai de plus cohérent, c'est la trilogie, euh, la post -logie. Quand tu regardes la post c'est ça. Euh, c'est ça, ouais. ouais. As les, as les... Sauf que lui, il n'est pas en 4K. Mais bon. Je ne l'ai pas trouvé ouais, en 4K, bon. sinon je l'aurais acheté. Ça ne change pas grand chose. En tout cas, sous, sur ce format-là, je l'ai pas. En, sur ce style bouclage, là je l'ai pas en 4K. Et donc, après, j'ai les DVD que, balance, que je vais balancer. Et donc, j'ai. Ah oui, bah... Le fameux, fois, le fameux. Le fameux coffret qui ouais. n'est pas en 4K, mais au moins, c'est plus propre que ça. C'est vrai. Et ça prend moins de place. Et c'est au moins en full HD blu quoi. T'as peut-être des bonus et tout un, ça en plus, j'en sais rien. C'est un, un beau. Mm. T'as le guide de la galaxie. Tiens, il y a même ça. C'est quoi ça Ah, oula, l'intégrale de la saison 3. Le 17 octobre. 17 pas octobre. Année, hein. bon, je sais pas quelle année c'était, mais c'était au moins. Euh, la saison 3, 20... ça devait être 2015, 2011, hein. quoi. 2011-2012. 2000, ouais, 2000 Avant 2015, c'est sûr. Ouais. Bah, comme voilà, c'était bah, en 2008 film en Blu-ray et c'est homogène voilà mmh. j'ai pas j'avais jamais ouvert en fait hein. mais <laughs> la, trilogie, la la saga 1 à 6, pas en 4k mais bon c'est pas très grave mmh. bah quand même enfin bon, 4k après ouais mais ça pour fait, le moment ça, en ça tout fait cas son petit effet quoi. la 4k pour le moment en tout cas ça ne nous s'intéresse pas trop étant donné que dans les télés et tout ça après euh, <laughs> moi j'ai la 4K j'ai une télé 4K j'ai la Playstation qui lit les Blu-ray 4K maintenant que j'ai euh, en... après j'ai ce petit objet que j'ai acheté euh, après avoir vu l'épisode 7 ouais le truc qui fait 180 euros au début Sphéro ouais, je voulais absolument le prendre contrôler j'ai failli avoir un ok en direct non ça va le hockey est passé euh ça peut revenir, attention. Ouais, ouais. ouais. Le 180 ouais, euros, j'ai craqué, mais j'ai dit, vas-y, euh, c'est trop stylé, quoi. Et puis, as... alors là, je peux pas le faire, mais quand il roule, bah, la tête roule. Mais oui, j'essaie. De... Ai... Je l'ai monté. Je l'ai observé, je sais pas combien plus... de fois, le truc. Hein. <laughs> je voulais l'acheter euh... à plusieurs reprises. bon. Donc, euh, je sais pas, il faudrait que le... je le recharge et que je réinstalle l'application pour le commander à distance. Et c'est super bien fait. Hein. Il roule vraiment comme dans le film. Quand tu accélères, il met la tête en avant. Trop bien. Du frein, il c'est trop bien. Mais par contre, il... bah, c'est la gravité, c'est l'énergie le... fait... enfin, je cinétique, j'en sais rien, mais c'est réaliste. Quoi. Mais par contre, il est petit et ce n'est pas... Voilà, pas très réaliste en termes de taille. Euh... Mais c'est surtout que même s'il ne roule pas, bah, c'est une belle figurine. C'est ce qui est le plus réaliste en termes de figurine de BB-8. Oh, enfin, je ne dis pas de... qu'un jour, je ne le prendrai pas. Hein, parce que franchement, il me plaît. Et un objet, après j'ai acheté ça récemment, mais ça c'est plus un objet de... Ah oui, utilité, on va dire. Portable. La Ma manette. Ah la manette. Box. Plutôt qu'elle traîne sur le bureau, bah, au moins elle a un petit socle. Qualité. sympa, ouais. Et puis bah, j'ai acheté ça aussi. Mmh. Donc euh, franchement, je suis un peu déçu, je l'avais déjà expliqué pourquoi. Bon, je pas payé cher, j'ai payé 5 euros. Mais euh, la qualité. Parce non, que c'est... Pas... Euh, je... En fait, ici, on croit qu'il y a un bandeau, et en fait, c'est du... sur... imprimé sur le carton. Ah ouais. Et donc en fait, as que je ne sais même pas à quoi ça sert, mais je le mets en dessous de mon écran, j'ai le symbole, j'ai la médaille de Chewie, on va dire, sous mon, sous mon nez. Donc ça c'est au niveau de mes objets Star Wars, je n'ai pas grand-chose, mais j'ai que ça en fait. Ah non, okay. j'ai ça aussi. Ça je ne l'ai pas acheté. On me l'a offert. Ma mère me l'a ramené de la Tunisie, une pierre de Tatooine. J'allais dire de Tatooine, ouais. Ah ouais, ouais. oh, la classe. Elle l'a ramassée sur les... les... Elle avait fait une sorte de, comment on appelle ça, un... De un, trek, de... un trek, un trek en ouais, voiture quoi. Trek. Ils l'ont emmené sur les, les, le lieu de tournage de. Ah mais c'était carrément ah, ça sent le cramé Ça, ça c'est hein. les oncles oncles et... oh, oh, là. <rire> <rire> non et ils... ils sont allés pas sur le lieu même de tournage mais sur la, la carrière où il y a eu, il y avait ils avaient mis le, les, les, les grottes, enfin pas les grottes mais les, les, les la maison de, 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 Luc quoi. Ah ouais. Donc euh, ça vient de, de la même zone on va dire que... ouais trop fort c'est bien ça donc ça me sert de presse-livre ça me sert de je sais pas si vous voyez mais je, le, je le pose sur mes livres pour pas qu'il qu'il s'ouvre parce que mmh. des fois ça, un livre ça ouais Puis après bah j'ai tous les livres je ouais. que j'avais acheté euh, celui-là le du jedi je crois qu'on me l'a montré à plusieurs reprises dans la vidéo collection on m'a dit il faut que tu le prennes celui-là hein. regarde j'ai toujours pas mais il faudrait que je le prenne Ouais, en vrai, c'est un petit peu, c'est un peu enfantin sur certains moments parce que tu as des petites écritures de Yoda, euh, une, un château je le porte, mais une arme je recharge pour petit Jedi. Ah non, une arme je rechange pour petit Jedi. Je comprends pas. Bon moi, tu vois, il y a des trucs tu comprends. À moment, pas. Un moment, Ryan Johnson, il avait pris une photo d'un truc de ce livre et puis c'est là où il sort, euh, je crois, le, le pouvoir de guérison ou j'en sais rien. Ouais, alors je l'ai. Alors c'est pas le pouvoir de guérison. Oh ouais, mais technique ça... de force avancée. La technique du sosie ou simile futurus permet aux Jedi de créer une réplique temporaire de lui-même ou d'un objet extérieur. Les Jedi particulièrement aguerris peuvent créer des apparitions fantômes de personnages de leur choix ou encore faire croire à l'ennemi que les objets qu'ils voient, notamment les droïdes, sont plus nombreux qu'ils ne le sont en réalité. Donc c'est clairement ça, le, ce que fait Luke en fait. Sur, euh... mm. oh, c'est pas une armée, de... il se projette, C'est une image de lui qui, c'est pas une, c'est pas une téléportation, c'est pas du Skype comme les haters disent. Simplement qu'il crée une image de lui pour. Voilà, c'est tout. Enfin, il pas... Faut pas chercher midi à 14h. Hein. Mais ouais, donc s'il avait dû faire la photo de cette page. Ouais, a... bizarre, là Bizarre, c'est pas celle-là que je me souviens. Non, c'est pas celle-ci je me souviens. Ah, bah après, j'ai pouvoir de guérison. En... Je me souviens d'une espèce de page ça. avec un parchemin. J'ai pas l'impression qu'il y avait une image en fait. C'est ça le truc. Mais oh, c'est bon, on va pas passer. <laughs> Mais peut-être oh, voilà, que je me gourse, c'était même pas dans celui-là, j'en sais rien. J'ai un livre en anglais que je ne comprends pas parce que c'est de l'anglais assez. Mmh. Verbal, oh, hein. Des moments, c'est. Bon voilà, euh... Master and Apprentice, euh... c'est chaud. Hein. From a certain point of view. Ouais. Donc, c'est 40 nouvelles ah. sur l'univers de Star Wars qui, sont, pour, qui ont célébré les 40 ans de la saga. Euh... Ah, mais c'est récent, genre. On a lu aucun... Ou bah, pas... euh, Ouais, ça date de, ouais. de 2016, je crois. Ouais, c'est ça. 2017 Oh mais il est sorti un petit peu avant. Euh... C'est marrant parce qu'il n'y a pas de page où il y écrit l'impression. tout D'habitude, il y a toujours une page où tu as l'éditeur, l'imprimeur. quatrième pas... en bas Ouais mais non, peut-être pas. pas. Non, ils ont voulu faire un livre. Ah si, non. Ah si, c'est là. 2017. Mmh. Donc euh, voilà, tu as Remus, The Bucket, The Seat of Data Work, Stories in the Sand The Red One. Et euh, en vrai, je, je voulais lire, hein, mais c'est difficile. Hein. Euh, ah, déjà, quand. faire en... des traductions en direct. Là, en anglais. Mais je vais, je vais réessayer un jour. Mm. Bon, voilà. C'est des nouvelles sur l'univers Star Wars. Je sais pas si c'est canon ou pas, je pense pas. Ouais. Après, j'ai tous ouais. les beaux livres. Donc là, j'ai le making-of de Star Wars épisode 3. Tu as des photos de tournage. Oh, ouais, de l'épisode euh... 3! Pro. Ah putain, des photos de tournage, on euh, voit pas avec la lumière. Ouais, c'est la vraies photos, ça ouais, J'ai des... l'impression que c'est du, du Covid. Ouais. Ah oui, bah oui. Ouais, as le George Lucas ça. qui explique à Anakin comment jouer. Euh, Arrête comment bien jouer. <laughs> non, je, je vais arrêter avec cette blague. Hein. <laughs> c'est bon, Pour ça fait partie de toi. Cas. Ouais, voilà. Euh... Enfin, voilà, après. Euh toujours re refeuilleté mais je pense que j'ai jamais tout lu parce qu'il y a vraiment trop trop de détails hein. mmh. mais euh, c'est hyper intéressant de bah, de voir les maquillages de voir les costumes euh, les scripts raturés pas si tu vois mais il y a un script ah ouais ouais, ouais. Ah ouais. Donc, voilà. donc tu peux même voir ce qu'il y avait avant et tout ça c'est fort après j'ai quoi j'ai l'encyclopédie absolue Absolue. Seul les sites Seules les encyclopédies sont... sont aussi absolues. Absolu. Ah, ah, mais oui. Ah, mais oui, mes pièces ultimes de la collection. Je vous montrerai après, non, vas-y, je monte maintenant. C'est parce que j'étais à l'époque abonné à, à une revue en de 2002 à 2004. Peut-être, je sais plus. Ouais. J'avais tous les tous les mois une revue. Tu sais, à l'époque, on recevait un genre les si on s'est vu junior, bah là, je recevais la série euh, le Star Wars Magazine, je sais pas trop quoi. Je sais plus comment ça s'appelait. Et du coup, on est, je m'étais abonné, donc on payait. Enfin, c'est ma mère qui s'était fait pour moi, mais et donc je faisais partie du membre, du fan club officiel de Star Wars. Et du coup, j'avais reçu une lettre. Et dégueulasse parce que je l'avais accrochée au mur avec une pâte à fixe et du coup, elle a jauni. Ouais. Donc c'est en anglais. Hein. D'accord. C'est en anglais. Voilà. Signé et tout. Et c'est signé par George Lucas. Oh là là. Bon, après, j'imagine que c'est imprimé et tout ça, mais. C'est quand même sa signature. Donc euh, voilà, et, et j'ai la même version. Alors, c'est peut-être pas la même version, mais c'est en français ici. Et donc, euh, en tant que fan de Star Wars, vous avez toujours su qu'il y aurait une guerre des clones. Mais il m'aura fallu des années pour finalement porter ma vision. Mmh, trop fort. C'est une lettre euh, qui, est, qui est sortie en 2002. Euh, quand j'ai reçu ça, j'étais. <laughs> C'est signé de sa main. Et je, ma mère, elle dit Mais non, c'est imprimé. Je dis ah, C'est écrit de sa et main. <laughs> Cache pas la magie. Et euh, voilà, donc après, l'encyclopédie absolue, je vais pas faire. Enfin, mais c'est vraiment l'encyclopédie euh, mmh. Star Wars, quoi. Donc euh, ouais. l'histoire. Mais c'est assez résumé parce que finalement, elle est assez fine. Et elle traite jusqu'à l'épisode 6. Tu vois, ces genre de trucs, moi j'en ai des, des, des bouquins comme ça, j'en ai peu, mais c'est comme tout l'art de Jedi Fallen Order ou alors les encyclopédies et tout. En fait, c'est juste que je ne sais jamais quand je vais me dire tiens, allez, vas-y, je m'y mets, je vais regarder. En fait, donc, donc ça reste fermé. Je ne sais juste pas quand, quand y regarder. J'ai les lieux emblématiques que j'ai achetés il n'y a pas très très longtemps. Mmh. J'ai acheté ça à Noël, je crois. donc euh, Là, c'est les lieux emblématiques. Alors, c'est un peu inutile, mais comme beaucoup de choses. Mais en fait, c'est. <laughs> Des fois, tu te dis, mais en fait, Coruscant, par exemple, quand tu veux connaître Coruscant, bon après c'est un peu compliqué à regarder, mais c'est une vue un peu en transversale et tu peux voir les profondeurs de Coruscant. pas à oh, Ah oui, d'accord, c'est les espèces là, de différentes niveaux, euh... les bâtiments de la surface. Oh. Putain, et là, c'est les, les sous-sols. Alors, je sais pas comment ça se voit, mais ouais, c'est un. Ah non, 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 pardon, excuse-moi, je me trompais de page. C'est le trajet ici as, là, as, le as, le, as un trait vert que tu vois pas et un trait jaune et le trait vert c'est le trajet que fait Anakin en oh. en speeder quand il a la poursuite de Zam Wessel. donc au début non ça c'est la fin au début il commence ici il tombe du bâtiment là de de chez Padmé et puis ils font ça mmh. et puis après ils se séparent et puis ils se rejoignent enfin voilà bon, c'est des détails tu dis mais oh, mais c'est drôle c'est marrant en... j'aime bien ils il se cassent le cul tracer les c'est marrant ouais ouais c'est ça voilà t'as la Outlander Club, c'est là où ils, où ils arrêtent, ils lui coupent le bras, Zamvezel Le temple Jedi, par exemple. Non, pas ça. Il y avait un, un truc que j'avais vu, c'était au début, peut-être. Un, un lieu qui, est, qui, était, qui était super bien fait. Sénat Galactique, ouais, tu vois comment ça marche, le Sénat Galactique, les machins, comment ils se déplacent. Je ne peux pas te montrer parce qu'on voit que dalle, c'est minuscule. Mmh. Hein. C'est tout petit. Enfin, bref, il y a plein, plein de lieux en coupe la maison par exemple la maison d'anakin euh, dans l'épisode 1 ah ouais ah ouais trop bien ouais. c'est dingue ou est-ce qui' ils prennent le temps de le faire et tout et euh, c'est original je trouve ça cool alien, ouais, alien ça c'est c'est pour espèces, le jeu ça. Euh... les espèces avec leur planète d'origine alors c'est bah ça peut ça m'aiderait parce que y a... ah, alors, pour Light of the Jedi, c'est sûr que ça, moi, ça pourrait m'aider. Parce que typiquement, il y a plein de races dans Light of the Jedi qui te le donnent. Mais le polos, problème, c'est que moi, j'ai toujours mon téléphone à côté et puis tu as juste à taper le truc sur Internet. Ouais, c'est là ouais, où c'est dommage. Quoi. Ouais, mais tu pas pas le... l'or, euh, le toucher de la page. Sûr. Mais par contre, euh, ce qui est un peu dommage avec ce livre, c'est que c'est pas classé par l'alphabétique. Mmh. Chiant pour chercher. c'est pas un dictionnaire. C'est classé par. Euh... Pas trop en fait, par toi, là c'est les Jedi du temple Jedi, donc ça va être toutes les espèces Jedi, mais mmh. euh, c'est pas classé par l'alphabétique. T'as les pas t'as un par planète. Je sais pas, un peu bizarre. pas si tu veux en voir un en particulier, euh... Euh, ouais, parce que tu vas pas tous les montrer, c'est ça, ah, non, non, bah non, je vais pas tous les sortir, mais bah, pff, au hasard, vas-y, au moins qu'on en voit quoi, au hasard, vraiment, ah, c'est pas du hasard, <rire> <rire> évidemment faire hein. Mais moi, je crois que oui, et... en rigide. Parce que je l'ai pas en rigide. Ah, il est pas en rigide. Je l'ai pas encore lu. Hein. J'en ai pas lu beaucoup des comics. Mais Là, non je suis plus. en train de lire le comics. Euh... Bah, j'ai tout ça, mais j'en ai pas lu beaucoup. Hein. Mm -hmm. Ah, d'accord. Oui, il y en a celui plein que t'as pas. Celui-là, j'ai lu. Mais mm -hmm. j'ai pas aimé. Oh. Ah oui, le G Ah oui, d'accord, Jedi Fanonder. Ouais, je vois, je vois. Pas très intéressant, je trouve. Allez, sors-moi le cinquième en partant de la droite. Un solo. Je crois qu'on me l'a recommandé celui-là. Alors, on m'a dit, c'est Wellstone et Lex qui l'ont recommandé. Ils on m'a dit que c'était des dessins sublimes. Je vais faire la preuve par l'image. Hein. Ah, bien sûr, comme par hasard, c'est la page où, où c'est le chapitre suivant. Ah, bah oui. Ah, Là, on voit rien, il y a trop d'images. Il faut que je prenne un, une belle. Une belle photo enfin une belle page complète il y a trop de détails trop ah j'en avais vu une belle en fait il y a une bataille ils sont en course poursuite dans l'espace donc euh, je vais pas me spoiler non plus mais ouais, bah il y a oui. beaucoup de lasers et tout donc c'est pas très emblématique bon allez, une page je ne vois pas hein, parce que je... tu vois là ouais 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 quand même euh... c'est sacrément détaillé et ouais, puis les... ça fait super les... réaliste en fait des vêtements et tout ouais, Ah bah Shubaka meurt. Non j'ai. <laughs> bah arrête de te spoiler, allez ferme-moi ça, ferme-moi ça, mais c'est pas possible voilà. celui-là. Allez le deuxième en partant de la droite. Ah ça c'est bon. Et tu l'as lu Oui, je vais tous les Oui faire tu l'as lu, par... oui, lu. Oui je l'ai lu, lui je l'ai lu. Voilà après j'ai lu. Parce que j'ai eu, j'ai eu avec, la force, okay. eu avec euh, dans un coffret euh, par deux, je l'ai eu avec euh, je sais plus quel livre j'ai eu mais en fait pour je m'en foutais de celui-là je le voulais pas forcément parce que j'ai vu le film euh, mais par contre pour trouver l'autre il était par, avec un deuxième et le deuxième je le trouvais pas, il était disponible qu'avec ce coffret mmh, donc je l'ai pris et puis euh, après ça reste un, un comics hein, donc je vais le lire facilement mais je le connais quoi l'histoire bah ben oui après, je euh, pense que c'est intéressant de voir le film en comics donc là je vais ça. partir comme ça donc c'est du, du plus post logis vers euh, avant euh, ok façon, Zee, on, on va jamais se perdre avec ça c'est avant l'épisode 1. Ouais, 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 Et avant ça, ici, que je mettrais derrière, je mettrais la Haute République, du coup. Mm -hmm. Et lui, il compte pas parce qu'il est gigantesque, c'est la, la saga Vador. Euh, donc, du coup, l'ascension de Kyle Ren, après, il y a celui-ci. Ouais. Et donc, de ça se passe l'Empire. Euh... Bah, après l'épisode 6, euh... ouais, le dessin est un peu spécial, un petit peu japonisé. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Ça reste sympa, donc, moi. Je suis euh, assez fasciné par les. En fait, ce qui est bien, c'est que chaque dessins. BD a son, type, a son style visuel. Exactement. Chaque comics, pardon. <laughs> Il fait exprès. <laughs> tu vas faire avoir des syncopes Lando, à bruce. Ah oui. c'est des. Je sais plus quand... Charles Soul, donc c'est celui qui a écrit La Lumière des Jedi. Mm -hmm. Là, les dessins sont un peu plus. Un peu plus réaliste non j'allais dire euh... prononcé enfin, je, terme. je sais pas c'est à dire simpliste enfin ah d'accord ouais minimaliste ouais. Ouais. Bon, après j'ai bah, la cour du dragon donc c'est Han Solo tu l'as vu Chewbacca mm -hmm. ouais. fallait bien que j'ai j'ai Han Solo j'ai j'ai Lando je pouvais pas ne pas avoir Chewbacca après j'ai Vador ab abattu. Euh... Non cible Vador pardon. Ouais. Même pas que je l'avais eu celui-là. J'en ai tellement acheté d'un coup que. <laughs> voilà. Il redécoupe sa collègue. Là. Après j'ai l'air de la rébellion les héros. Mmh. Ah oui c'est pareil Tu as, as le même avec les vilains mais je pense que tu dois l'avoir. Voilà là j'ai les vilains ici. Mmh. Ouais. Alors, pour la mais République, c'est dans celui-là qu'il y a une histoire sur l'ère le... de la République. Ah non, ça c'est dans l'ère de la République. Là, je suis là dans l'ère de la Rébellion. Donc, dans l'ère de la République, j'ai pareil les vilains et les héros, mais j'ai pas trouvé les deux séparés. Donc, c'est un ensemble mmh. et qui est plus grand, qui est dans ma chambre et qui est. J'aime moins le format. J'aime bien le format de, de cette taille. moi. Comme ça, ils sont tous pareils. Mais je les ai pas trouvés. Donc, c'est difficile à trouver. Donc, je l'ai pris le, le format euh, unifié. Et moi, il m'intrigue. Secret de la galaxie. Ouais. Et a priori, ils vont sur ils vont sur Crète dans cet épisode. Pas ouais. enfin, dans, dans ce comics. Euh, mais pas bien J'ai vu, vu une image de Leia. Elle est magnifique. Juste une image de Léa, je vais te montrer sa tête. En fait, c'est hyper réaliste le dessin. Regarde, la tête de Han Solo en bas. Putain, c'est photoréaliste. Et là, j'ai Leia. Elle est magnifique. Incroyable. Même euh, Motma à côté, euh, putain. Donc, euh, en fait, ça m'intéresse, mais j'ai pas le... J'ai pas le temps, enfin, je prends pas le temps de me poser, genre, parce que ça, tu mets oui, pas pour le lire, tu mets. Mais oui, lui, une heure, c'est fait, 30, 30 minutes même. Il est assez gros, lui, quand même. Tu vois, il est plus gros que les autres. Une heure, mais un ouais, comics, c'est bon, c'est largement. Après, j'ai lui. Lando aussi, mais cette fois-ci en version jeune. Qui est tout double. Donc, j'ai pas vu du tout le, le dessin, s'ils sont réalistes ou pas. Non, là, c'est du classique comics. Euh... C'est du classique, on va se dire. Mm -hmm. J'ai réceptif et hermétique, je t'ai montré tout à l'heure, Obi-Wan et Anakin. Ouais. Après, celui-là, je me suis dit, vas-y, pour la blague. Ah, en vrai, j'aime pas la couverture. Elle est moche, je trouve. Et bon, je me suis dit, j'avais pas beaucoup de... de comics sur des Jedi, et surtout sur la, la partie post-république, enfin, quoi. Voilà. C'est vrai qu'ils ont chacun leur particularité, ouais, c'est vrai que c'est ça qui est sympa. Avec une couverture qui est et similaire, euh... un peu pour une cohérence entre tous. Ça, je te l'ai montré, Jedi Fallen Order. Mm. La collection. Hop, hop, hop. Vador. Purée. Il pèse au poids. <laughs> Et... Euh... Trop fort oh, ça. Il est très très lourd. Donc là-dedans, tu as tous les... Ah ouais Ah, ça loue, ça glisse. Bah ouais, tu as tous les... Bah tu vois, as... Ouais. En fait, tu l'avais vu ça. Ouais. D'accord, tu dans un même... Ah ouais, c'est trop fort. Bah, c'est euh... le comique que t'as lu. Ça fait un méga ouais, comics, quoi! C'est énorme, c'est trop bien. Ah, par contre, à lire, ça va être chiant, je pense. Déjà, ouais, je pense putain. que j'enlèverai ça. Ouais, bah, dis-toi que ça, c'est ça. ça, ça, ça je l'ai sur, sur tous mes romans, ça, hein. et je les lis avec. C'est ce qui me permet Alors, de, de... l'utiliser en marque-page. Ouais, ouais, tu... ouais, moi j'ai des marque-pages euh... ouais. cartonnées, mais ça, ça va l'abîmer si je le laisse quand je vais lire. Donc, je vais bah, l'enlever. Je vais le dire que les miens, en tout cas, ça les abîme je... pas. Ouais, mais ton roman, il pèse pas 3 kilos. C'est vrai. <laughs> et là, je te dis, il est bien lourd. Hein. C'est vrai. Je peux pas te montrer, c'est difficile à te Comment tu le lis Moi, je sais que je, je, je lis plavante sur mon lit. Regarde l'épaisseur, quoi. Ouais, mais c'est un truc de fou. Mais ouais, c'est beau les dessins. Mais chaque épisode a son, son style graphique, ouais, c'est un peu différent. Mais je ne l'ai pas encore commencé et je pense que c'est pas celui que je lirai en premier. Il faudrait que je décontinue. D'ailleurs, j'ai deux, mais après faut juste que je lise. C'est cher. Mais bon. Oh, bah oui. bah, bah, Donc, en même, même temps, là, t'as 4 ou 5 comics bah, en 5 du 5, oui, 5, c'est ça. On a 5, je crois. Faudra demander aux spécialistes. Ouais. Pas écrit d'ailleurs. Ah non Tu peux savoir. Ah, mais en fait, c'est ça, c'est les... les épisodes. Ah, ok, non, c'est bon. Ouais. Cet album contient les épisodes 1 à 25. Oui, mais c'est ça, ça fait ça. Fait c'est 5 ça fait 5 comics. Oui. Ben voilà, on a fini les comics. Oh, mais qu'est-ce qui reste alors il Reste les romans. Ah ben oui, évidemment. Et après, je n'ai pas fini parce qu'il reste encore un truc surprise. Oui, c'est vrai. Euh, il, il reste, Allez, on va aller vite. Ouais. Les livres ici, je ne vais pas les sortir, je ne vais pas savoir les remettre. C'est euh, les plans secrets des vaisseaux. Euh, c'est les vieux livres Nathan. Parce que c'était même pas encore euh, euh, Hachette. Parce que maintenant, c'est Hachette qui gère les livres euh, mmh. Disney. C'était Nathan à l'époque. Donc c'est les vieux, voilà, les vaisseaux de la menace fantôme, les vaisseaux de la trilogie originale. De la... Voilà, c'est les plans en couple des vaisseaux. Euh, là, j'ai une revue de 83, je crois. ça me rappelle Omega qui avait retrouvé plein de trucs comme ça, je crois. C'était assez dingue. 90... Non, 99 pardon une revue de 99 sur euh... bon il y avait plein plein de trucs hein. là il y a du Star Wars mais trop forte sur le pap bon. euh... mais c'est juste qu'il y a douze 12, 12 pages spéciales sur Star Wars VSD Pas offert un collègue à l'époque il me dit tiens t'aimes bien Star Wars j'ai retrouvé ça chez moi <laughs> après j'ai bah, les les guides visuels ce que j moi c'est ouais, c'est les guides visuels les guides officiels de chaque épisode ah, Donc bien. là, j'ai l'épisode de la menace fantôme, l'attaque des clones, etc. J'ai solo, Rogue One, euh, la trilogie, qui est un seul livre. Donc la trilogie, c'est que ça. Toute la trilogie originale. Hmm. Alors que les autres, c'est un peu plus gros que ça et c'est un film. Ah ouais, oui, c'est ce que je Rogue me disais, ouais. Rogue One, c'est le plus gros. Rogue One, il est beaucoup plus gros que les autres. Sérieux Ah ouais. Et il est magnifique, ce, ce livre. En même temps, ce film, ah. il, est, il est magnifique. Le livre, il est magnifique. Ouais, ce film aussi, mais bon. Oui. Après, j'ai les autres aussi. Et là, la, la post-logie. de la force. Mmh. Là, le 9 aussi est lourd. Un ah, lourd. Euh, et, et, tu vois... Ah, quand même. 7. Là, c'est le 7. Là, c'est le 8. Putain, le 8, c'est. Ah oui, c'est le le plus. Ouais, le 8, c'est le plus petit. Mais c'est mon. Un concentré préféré. de bonheur. Parce que c'est mon film préféré. <laughs> Pas faire de débat ici, hein, mais non. Il y a une page qui est abîmée par contre là. Pas de débat avec moi. Eh, <laughs> Qu'est-ce que j'ai fait ici Ah non. Et quoi ça Ah Ah Trop bien La place de cinéma. 1er janvier 2018. C'était la deuxième fois ou la troisième fois que je le voyais c'était à, euh, de... à la page de la la page page de c'est à Luc avec la, le pendentif site etc enfin voilà donc c'est les guides visuels c'est les plus classiques des livres actuels ça je les lis tout de suite c'est à dire que dès que je les achète ça ça, ça, ça va très vite c'est beaucoup d'images hein. ouais c'est ça, ça mais des je trouve le meilleur moyen c'est les lire tout de suite quoi, ouais. bah, en fait je les lis dès que j'ai vu le film une première fois souvent mmh. je les ai à Noël en fait après tu revois Et... le film en ayant lu ça c'est trop fort hein. Et ouais, surtout dans l'apostologie, la t'as plein de secrets sur bah, l'épisode 8 avec euh, bah, l'héritage de Luke et tout ça. Enfin, cool ça. Alors attends, maintenant les romans. Donc les romans, j'ai celui de la Haute République, là, en pleine ténèbre, qui est dans ma chambre. Mm -hmm. Voilà, Light of the Jedi. En fait format pocket, que ça, ça fait bizarre. <laughs> ah oui, ils sont petits. Hein. Maître et apprenti, que j'ai pas commencé, mais c'est après Dark Machin, là, c'est celui que je lis. Tellement petit! même en nombre de pages. Ah, Sokka c'est un petit. Ah <laughs> oh, mais moi je te ramène après, les miens. Après c'est un petit, hein. oh, c'est écrit fort. tout petit. Hein. Ah ouais. Oh, mais c'est tu sais que je pourrais pas lire ça en fait. Je trouve que tu sais quoi, je vais te dire un truc. Ouais mais. Je vais te dire un truc, mais je, je sais après bon c'est le choix et tout ça. Ça ça... bah j'ai pas le choix, il y a que ça. Ah bon il y a rien d'autre en France Non, moi je peux pas. Si, si j'avais le choix j'aurais pris euh, as ils sont magnifiques tes livres. Mais oui mais, mais là, parce qu'en fait. Pas la place pour les parce qu'en et... fait moi ce qui m'attire de les lire c'est justement le Aéré. la personnalité qu'ils ont en fait rien que même parce que là de ce que je regarde t'as même as même pas de personnalité de paragraphe de rien alors que des fois t'as des trucs c'est agencé d'une certaine manière et tout c'est vraiment moi ouais, j'en fais peut-être un peu trop mais un bloc hein. ouais c'est ça 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 respire rien tu ah tu sens pas la magie derrière c'est ah ouais non je pourrais pas je pourrais pas oh, clairement je peux pas après le livre que j'avais commencé à lire avant de faire le... avant de lire light of the jedi j'avais lu euh, « bah, Je me suis arrêté ici mmh. ». J'avais du mal. Euh, Peut-être que c'est que le début, hein, mais du... je trouve que ça prenait un peu... C'était difficile à commencer. Okay. C'est lent. Mais bon, c'est toujours bien écrit. Hein. C'est Claudia Gray, donc c'est bien écrit. Mais l'histoire m'embarquait. Peut-être que c'est son style trop. aussi, parce que euh, là, c'est le premier Claudia Gray que je lis, euh, « Master and Apprentice, et Apprentice », et c'est tout aussi lent. Hein, mais après, bon. C'est bien mais je veux dire là en 150 pages. c'est pas passé euh, voilà. J'ai la trilogie Riposte. Mmh. La fameuse, j'entends beaucoup parler. Donc j'ai Ouais, qui est le 1 est difficile, on m'a dit à lire et c'est vrai. Alors là, faut... j'ai lu ça. C'est la deuxième fois. C'est-à-dire que la première fois, j'étais allé <laughs> plus parce que j'ai pas la marque moi je mets pas de... je, je plie pas mes pages je mets un papier non, ah bah ici. je dis ça et puis ici j'ai plié ma page euh... ah bah non la première c'est là où je m'étais arrêté la première fois mmh. le, le parc page et ici c'est là où je m'étais arrêté la deuxième fois que j'avais recommencé le livre parce que j'avais oublié et j'ai dit putain mais Pff... ah elle là trop quand tu arrives à ça ouais. on m'a dit que les deux autres étaient très bien mais qu'il fallait lire celui-là avant mais c'est ça devient une contrainte en fait ça. Donc, je le lirai un jour, mais voilà, de toute façon, je les ai, ils ne vont pas disparaître. Mmh. Et après, il m'en reste deux. Un que j'ai lu. Très, très bon sûr. livre. Il faut que je le lise, moi. C'est mon ça premier, comme premier roman, si roman français. Je dis ça comme si j'avais si lu des milliards de livres. Mmh, C'est un très bon, très livre. bon livre. Et euh, lui que j'ai pas lu. Je ne même pas par qui il est écrit. Rebecca, Roan Horse Ok, super. Voilà. Ah, Renaissance. Mmh. Donc, ça se passe euh, avant l'ascension de Skywalker, et, enfin l'épisode 9, quoi. Et ça, ça doit être intéressant, je connais très peu de choses, en fait, moi. J'ai moi, le bordel je, je, sur mon bureau. Je, je, je sais que j'ai là une grosse absence, en fait, entre 6 et 7. Tous ces romans-là que tu as présentés qui sont phares et que j'arrête pas d'entendre parler. Et que je sais qu'il faudrait que je m'y mette un jour parce que j'ai vraiment euh, un manque si sur ces fans. Sur cette période-là. Mais oui. Mais j'ai un manque sur cette période-là. Bon, et oui. Attendez, parce que je les range. Moi, je les range pas comme ça, parce que j'ai pas de place. Je les range comme ça et. Et tu mets ta pierre de Tatooine. Après, ça les abîme pas. Hein. Mais à ce cas, du coup, tu l'as acheté, mais tu t'as pas commencé rien. Ah oui, t'as pas lu. Je voulais, en fait, je voulais le lire et puis il y a eu. Hmm. Ouais, j'ai préféré commencer par Leia, parce que j'avais fini Lien du sens. Je dis bah, autant continuer sur le personnage de Leia. En lisant le livre, qui se passe bien avant, comme si c'était un flashback de sa personne. Et en fait, euh, j'ai moins aimé. Du coup, je suis passé sur Light. Of Jedi. Après, ça aide d'apprécier la personnage. Hein. Une personne qui aime pas Ahsoka, ça va être compliqué, quoi. Moi, j'aime bien Ahsoka. Hein. C'est pas mon personnage préféré, mais mm -hmm. je la trouve stylée, je la trouve humble, je la trouve euh, utile. je la trouve juste, en fait. C'est un, un personnage qui est bien écrit, c'est ça qui a bien évolué. C'est pas mon personnage préféré, mais c'est un, un vrai personnage de Star Wars. Quoi. Je rangerai après mes lettres. Allez, on veut oh, la pièce oui. maîtresse là. On veut Alors, arriver euh... la pièce maîtresse. Alors, attendons avant, j'ai oublié de montrer tout à l'heure que j'avais acheté. Pas tous les montrer, mais j'ai acheté ça pendant mes vacances chez ma mère à Carrefour. C'est tous les Marvel. Euh... Ils ont fait une collection comme ça euh, à Carrefour. Et euh, t'en as 10. J'ai pris le 5 au pif. Et euh, c'est la série, euh, la collection côté obscur. Ça s'appelle vraiment le côté obscur de Marvel, parce qu'en fait, c'est les, les héros un peu ouais, euh, un peu noirs quoi. Tu vois, c'est mm. un peu ouais, t'as Deadpool, as ah oui, il n'y a pas il y a pas de Captain America, il y a pas d'Iron Man. Tu vois, c'est les personnages qui sont un petit peu gris. Tu vois, les héros un petit peu gris. C'est pas les méchants. Il n'y a pas Thanos. Ah si, il y a Thanos. Il euh, y a Thanos. Donc c'est euh, voilà. Donc c'est le, les personnages méchants ou euh... alors le style visuel est des fois un peu bizarre, mais bon, on verra bien. Et ce qui est fou, c'est pourquoi je les ai achetés. Moi, Marvel, je m'en fous un peu. Enfin, c'est juste que ça. 2 ah ouais euros. 3 euros ce livre. Putain. 2,99 euros par livre. Donc, ça fait moins de 30 euros les 10. Et c'est l'occasion de découvrir des comics d'un univers que je connais pas. Voilà. Ah, tu as raison. Moi, ouais, c'est bien. Et, Et c'est de la bonne qualité. Bon, pas c'est pas du rigide, c'est du semi-souple. Mmh. Mais bon, pour 3 euros, franchement, 3 euros ça, mais. Clair. Alors, la pièce mettrai... Ouais. Pas voilà, la pièce maîtresse. On laisse pièce maîtresse. Euh, les. Donc c'est des, des unboxings C'est quoi ça Alors en fait, c'est pas, pas du tout ma pièce maîtresse. C'est juste que j'ai acheté des trucs. Et je les ai reçus hier et donc c'est l'occasion. Allez. J'ai juste vérifié que dans le colis, il y avait les bonnes choses. Mais je hum. ne pas des C'est pas des trucs de ouf. Hein. De Parce que là, il façon, nous vous a des cartons. Vous allez voir les cartons, vous allez dire ah bah ok, c'est bon, j'ai compris. Ah oui d'accord ok Oui c'est bon j'ai compris <laughs> Donc euh, bah voilà je vais, je vais pas les essayer quand même hein. oh mais, euh, Ah non, bah, non On n'est pas là pour euh, On n'est pas là pour déconner quand même Mais par contre je vais vous déballer les, les choses Beaucoup de plastique quand même hein. Donc le premier T-shirt J'ai acheté Bon il est pas du tout repassé ni rien mais Oh mais il arrive déjà bien quoi ah oui, non. Okay. Ouais. Made. Ah oui, mais non, oui, t'avais montré. D'accord, c'est ça. Dit, tu nous avais demandé de préférer lequel. Finalement, j'ai. T'as pris les deux. Il n'y a pas eu trop de décision. Alors, lui, je l'ai pris. C'est lui que j'ai pris en taille plus grande que moi. Ah ah, non, il... je l'ai pris à, la, à ma taille, celui-là. Je l'ai pris en M. C'est du M, voilà, médium. Du M, okay. Je ne vais, les... vais pas les plier. De toute façon, ils vont passer à la machine. Et après, j'ai pris celui-là. C'est marrant parce que ça en fait ça, je pense l. que ça doit faire beaucoup de bruit, mais en fait, du coup, ton micro rien. préfère enlever non, non, il, le, il, le bruit et qu'on écoute peu ta voix. Coupe les sons, ouais. ouais. C'est la suppression de bruit de Discord. Et donc, j'ai pris l'autre. Ah là, c'est celui-là que je préférais, ouais. Mais cette fois-ci, euh, en L, je crois. Donc, plus grand. Mais hmm. bon. C'est pas très grave. Hein. C'est pas, pas fait pour aller en soirée ou ouais, non. au boulot. C'est hein. pour faire des lives. Ça, ça va servir pour les t-shirts de live vrai, des t-shirts de live. J'en ai un. Il faut que je m'achète des t-shirts de live. Il en a combien Oh, ah ouais, dis donc quand même. Je trouvais, euh, je trouvais la, c'est un M aussi, je crois. Parce que c'était des ventes privées, donc. Euh... Mm -hmm. Et c'est que du 100% coton, hein. faut pas non plus. Non, ah, la classe. J'aime bien, j'aime bien le, le visuel. Il a du pas là, casque a un pas peu le, en hexagone. Ah si, médium. Avec ouais, non, des espèces bien. de polygones, et des... blanc et rouge comme ça. Ouais. ouais. Beau. Hop et après le dernier, le dernier t-shirt. Il y a encore autre chose. Ah mais encore autre chose, mais putain. J'ai pris l'essentiel. Ah bah voilà, bah oui, mais alors là carrément. Et ça, je pense que tout le monde devrait en avoir un comme ça. Mais oui. Dit, il manquait des choses. J'avais un t-shirt Star Wars que j'ai qui est en train de sécher, enfin qui est sec maintenant, mais j'ai la flemme de plier. Qui est, qui est sur l'étendoir là, c'est le t-shirt que j'ai avec les X-Wing dorés mais mmh. vous m'avez offert et les derniers objets est-ce que je peux couper ma cam deux minutes ouais allez vas-y je suis pas tout nu c'est hein. pas pour me mettre tout nu alors peut-être que j'aurai l'air con j'en sais rien du tout mais pourquoi pas alors c'est pas un t-shirt c'est sa casquette yeah oh putain Vanji la caillera euh, je... Vanji la raquette il y a une étiquette là bah alors non non en fait elle est collée oh yeah les <laughs> post-it eh, mais quand voilà. même Donc, euh, bah après je, je suis pas très casquette de base mais je me dis pour un petit live euh... ça va ça le fait on, franchement... on, voit, pas, on voit pas que c'est une casquette en fait <laughs> avec le là on voit pas qu'il y a un... c'est vrai mais de face, de face on dirait un, un bandeau quoi ouais mais franchement il euh, y en a à qui ça pourrait pas aller ça, ça va très bien je trouve non, ça va bien voilà. Nickel. Ah, putain. Ah. La casquette rébellion. Hmm. J'aime bien. J'aime bien. Oh f... C'est le bordel. Franchement, c'est le bordel. Allez, c'est bon, t'inquiète pas, tu vas pouvoir aller ranger. Oh, regarde, c'est le bordel. Oh là mes là là. T-shirt, mes... mes cartons. Il euh, y a mes livres. C'est bon, tu vas. Veux... T'inquiète pas, souffle, tu souffle, tu vas pouvoir aller. Non, mais c'est pas, pas très grave. va c'est arrangé. Mais je sais, mais moi je suis pareil. Si c'est pas rangé. J'ai mais... faim. Ouais, Moi aussi. Je vais y aller là. Bon, bah écoute, euh, voilà, j'espère que si j'ai un autre objet que j'ai pas pu vous montrer, bah, je ferai une photo et je mettrai sur collection. Je pense que vous avez vu l'essentiel. Mais ouais, mais moi je pensais même pas en voir autant. Mais c'est là où j'ai trouvé ça cool. Je redis ce que j'ai dit au début c'est que ben. En fait et puis je suis content que tu aies commencé par des choses en fait euh, bah, que moi je m'y attendais pas vraiment enfin je m'y attendais un petit peu mais je savais même pas que tu avais peut-être des histoires à raconter ou même des choses à montrer que ce soit sur euh, les instruments de musique ou euh, que ce soit sur euh, tu vois que tu en as autant sur euh, James Bond et tout ça et euh, bah franchement c'est cool et euh, tu vois j'ai l'impression d'un peu parce que c'est ça qui est marrant dans les vidéos collées ça c'est un peu plus intime tu vois et j'ai l'impression de plus te connaître, tu vois. Et alors, alors pourtant, bah, on ouais, discute mais depuis. Euh... Mais c'est pour, pour ça, dire. Star Wars, c'est bien parce qu'on se connaît tous là-dessus. Mais j'ai vais... parlé Star Wars, mais j'ai parlé beaucoup plus finalement des autres trucs. Pas bah, parce que c'est l'occasion aussi de. Et puis c'est l'occasion de donner mon avis sur quelque chose qui a typiquement les James Bond. je sais que c'est pas. Un... les gens, a... ils ont des avis différents sur le personnage. Le... ouais, le meilleur c'est machin, le meilleur c'est truc. J'ai donné ma vision, j'ai expliqué et j'ai pu le dire en entier comme ça. Je sais pas si tu le garderas pour la collection ou pour un autre truc. En tout cas, il y aura. Euh... Oh non, je garde l'analyse du tout. truc quoi. Oh, je garde tout pour la collection. Oh. Euh, j'aime okay. bien ça. Ça fait une collection complète. Euh, des, comme je les aime bien, mais les vidéos collections en général elles durent assez longtemps et elles laissent s'exprimer exactement comme tu l'as dit. C'est-à-dire la personne qui présente sa collection. Et je trouve ça très important de mettre tous ces éléments là dans les, dans les vidéos. Donc, bah, écoute, euh, Vanji, merci pour cette vidéo, votre collection. 15e vidéo. Ouais, c'est ça. Et tu sais quoi le, Tu sais qui c'était le précédent Aldo. Ouais. Ori. Non, 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 c'était Aldo. Donc du coup, euh, faut en fait, faut que je me fasse tous les, faut que je me fasse. Crix. Faut que je me fasse tous les cheveux de l'ordre. Tu <laughs> fais Crix après et, et, et Ori, tu l'as déjà fait, je crois. Non. Non, Ori, tu l'as pas fait. C'est un, 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 un podcast. C'est un Aurai. podcast. C'est Comme ça que je l'ai rencontré, Ori. Ben, Il faut, Aurai, faut hein. négocier avec lui parce qu'il ne est... voulait pas forcément me. Il m'a dit qu'il ne voulait pas forcément qu'on voit sa collection. Il aime bien garder une part de secret. Donc après, tu peux faire une mini vidéo collection et qu'il te montre que quelques petits Si, que ce qu'il a envie de montrer, bien sûr. Je m'organiserai avec lui, je ferai ça. De toute façon, on a des vidéos psycho prévues, lui et moi. Ça va donner ça aussi. Parce que quand oh, tu psychopathe vois... ou psychologie ah, Les deux, peut-être. Mais quand tu... Parce que quand, quand, quand tu vois le débat qu'on a eu, parce que tu sais, on, on fait des, des vidéos débat les, 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 les dimanches sur les épisodes de, de The Bad Batch. Mais je ne sais pas si tu as vu, je pense pas que tu l'as vu, mais on, on, a, on a passé une heure à parler de. Euh, alors, qu'est-ce qui fait qu'un humain est cyborg ou pas <laughs> En fait, toi, t'as parlé de ça avant. Pendant... Ah, mais si, j'étais là, je crois. Mais je pense qu'après, j'ai abandonné. <laughs> je suis allé jouer à God of War. Mais nous, c'est ce qui nous a étonné, ça... c'est parce que. En non, fait, non, non, en... non, je jouais à God of War en même temps. Ah. Et je vous avais mis sur le téléphone. Et, euh... et pourquoi vous aviez parlé de ça Vous avez parlé de ça pour euh, Echo. Ouais, ouais, pour Echo, certainement. Partie d'Echo. Mm mais, mais c'est ça mais, mais ce qui nous a trouvé... cyborg euh, cyborg je, je sais pas je sais plus en fait c'est juste j'ai bien c'est marrant mais non mais c'est juste ce qui nous avait fait rire c'est que pendant à peu près tout le long du live on avait 8-10 personnes et en fait quand on parlait de ça pendant toute l'heure enfin au moins la demi-heure on a parlé de ça il y avait 16-17 personnes et puis dès qu'on a basculé sur des bas de boum 8 personnes c'était énorme c'était génial on, a, on avait <laughs> adoré ça mais bon bref comme quoi les gens aiment le débat aiment le, le sang. Mais oui, ils aiment le sang. Ils aiment le sang. Les larmes. Que ça vienne du sang d'humain ou de sithborien hein, d'ailleurs. Bon, allez. Bah écoute, merci, euh, Vungie, euh, d'avoir pris ton temps. Euh, Et n'oubliez pas. Euh... Oui, c'est Dieu. C'est voilà. Obi Wan. May the Force be with you always. Non, il dit pas ça. C'est the Force will be with, you. be with you. Exactement. Mais oui. Bah écoute, ouais, bah. Ouais, on l'avait prévu quand même depuis un petit moment. Un petit, moment. Cette... Un petit mois, livre. ouais. Mm. Ouais, c'est ça. Ben, mais, non, mais là, j'ai plein, de... plein de personnes à la bouquer pour, pour encore au moins un mois. ouais Ça, ça m'envoie jusqu'en août, je crois. Non, peut-être pas autant. Bref, je sais pas. Au moins juillet, je crois. Bah si, Wellstone, ce sera en août. Ah bah ben ouais. voilà. Oui, exactement. Ça, je vais le couper, tu vois. Merde, en fait en... j'ai spoilé. Hein. Mais non, <laughs> non mais, tout le monde... mais tout le monde le sait, franchement, au bout d'un moment, quand même. Bon. Mais euh, voilà, bah, c'était cool. Je suis content. J'en ai appris plus sur ton univers, sur toi, sur ta collection et tout. Et c'est bien cool. Bon, on va se faire la fin habituelle. Euh, en souhaitant... On se fait un check Ouais, on va se, on va se, ouais, on va se faire un check. Ouais, attends. Euh, un high five. Donc, bah, écoutez, Venji et moi, on vous souhaite de bien retourner à vos occupations. Merci de nous avoir suivis. Euh, ciao, à ciao à tous. Retournez bien à vos occupations. Ciao à tous. Et que la force soit avec vous. Et le check